justement répondre aux besoins les plus urgents de nos populations, notamment le besoin de rapprocher l'administration des administrés, les besoins de s'assurer que nous avons une représentation de l'État. Dans les explications qui vous seront données tout à l'heure, vous remarquerez qu'on a prévu de construire dans chaque territoire un bâtiment administratif qui est le symbole même de l'État où nous trouverons les principaux services. Dans la phase 1, donc la phase pour laquelle nous allons vous donner quelques informations ce soir, concerne des centres de santé, des écoles, des hôpitaux. Plus de 2000 ouvrages sont en construction en même temps. Le 145 territoires est véritablement un projet révolutionnaire parce que non seulement qu'il y a ces travaux qui se font, mais il y a aussi les activités induites. Vous savez, le président de la République accorde une attention particulière pour les jeunes qui sont dans les secteurs de l'emploi, des PME, et c'est des PME congolaises qui ont été sélectionnées pour être ceux qui vont contribuer à la construction de ces différents ouvrages. Je n'en dirai pas plus parce que ce soir, tel que vous pouvez le voir, j'ai le privilège d'avoir à ma droite mon collègue ministre ad intérim du plan, parce que c'est au niveau du ministère de plan que le projet est coordonné, mais aussi à l'extrême gauche, monsieur Alain qui dirige la cellule d'exécution des financements des États fragiles, CFEF. Et puis nous avons monsieur Jean Mabiquet, directeur général du bureau central de coordination. Et nous avons monsieur Diallo qui représente le programme des Nations Unies pour le développement. Tout à l'heure, mon collègue du plan vous expliquera pourquoi pour ces projets, nous avons voulu recourir aux différentes agences. Les gens vont se poser des questions, mais depuis le temps que le président de la République en parle, pourquoi ces projets ont pris trop de temps? Parce que justement, nous avons voulu prendre toutes les précautions. Des études ont précédé l'exécution de chacun de projets qui vous sera présenté tout à l'heure, pour être sûr que c'est la norme, c'est le professionnalisme qui a été mis en place dès la conception de projet à l'exécution jusqu'à leur achèvement. Voilà le sens de cet exercice spécial et la communication suivra désormais de manière régulière avec la télévision nationale. On travaillera sur de petits programmes, mais aussi avec les médias parce qu'il faut faire l'itinérance, aller dans le pays et voir ce qui s'est fait de manière effective. Au-delà de cela, nous prendrons un rendez-vous mensuel avec les directeurs de différentes agences pour vous montrer que les choses évoluent plutôt très vite, malgré des contraintes, notamment de sécurité qu'on rencontre dans le Nord Kivu ou dans le Maïndombé. Ils auront l'occasion d'en parler tout à l'heure. Monsieur le ministre ad intérim du plan, monsieur le ministre du plan, très heureux de vous avoir ce soir en compagnie de ceux avec qui vous travaillez au quotidien, les délégués des trois agences, pour que vous puissiez nous dire en liminaire comment le gouvernement a pensé ces projets suivant les orientations qui ont été données par les présidents de la République et comment cela s'exécute avant que nous puissions aller dans les vifs du sujet qui permettra aux directeurs des agences de dire ce qu'ils font. Déjà à gauche, vous pouvez voir comment le pays a été reparti en trois. Je pense que la partie bleue, c'est CFF. La partie au milieu, un peu jaune, je pense, c'est le PNUD, c'est les BCECO. Et la partie rose, c'est les PNUD. Chacun donc a un bout du territoire de la République démocratique du Congo. Ils auront l'occasion de le lire et je suis sûr que vous serez surpris d'apprendre un certain nombre de choses. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, cher collègue, monsieur le ministre, pour la parole. Je vais vous présenter de manière brève un résumé sur le programme de développement local des 145 territoires, PDL en sigle. Le programme de développement local des 145 territoires, PDL en sigle, découle de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif recherché par les chefs de l'État à travers ce programme est, d'une part, de lutter contre la pauvreté, de réduire les inégalités spatiales, et d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations rurales longtemps abandonnées et d'autre part de booster le développement de la République démocratique du Congo à partir de la base sur l'ensemble des 145 territoires
que compte la République démocratique du Congo. Alors, fort de cette vision, le gouvernement de la République, dirigé par son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a décidé de matérialiser l'engagement volontariste du président de la République en dotant le pays d'un instrument programmatique pour résorber les déficits d'offres des infrastructures socio-économiques et des services de base dans nos territoires. Alors, ce programme n'est pas sorti de nulle part. Il est adossé au PNSD, donc au Plan National Stratégique de Développement, et au plan d'action du gouvernement. Et enfin, il est aussi adossé au programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et les inégalités. C'est un programme qui est transversal. Il tient aussi compte de dimensions du genre, des aspects environnementaux, et il tient aussi compte des personnes, nos compatriotes, qui vivent avec handicap. Alors, quelles sont les composantes du programme? Le PDL 145 territoires, formulé par le gouvernement et adopté à la 34e réunion du Conseil des ministres du 24 décembre 2021, est structuré en quatre composantes. La première composante est d'améliorer l'accès des populations qui vivent dans les territoires ruraux à des infrastructures socio-économiques de base et des services de base. L'objectif poursuivi par le gouvernement à travers cette composante est de désenclaver les territoires, d'une part, et d'améliorer l'accessibilité de nos populations aux services sociaux. La deuxième composante est de promouvoir le développement des économies rurales et locales et les chaînes de valeur au niveau local. À travers cette composante, le gouvernement veut appuyer le développement des activités de production, améliorer la productivité, augmenter les revenus des ménages ruraux et relancer les économies rurales et locales longtemps abandonnées. La troisième composante est de renforcer les capacités de gestion du développement local. À travers cette composante, les gouvernements visent notamment à appuyer et à renforcer les capacités techniques, organisationnelles, communautaires, des animateurs qui doivent gérer le projet et qui doivent gérer les ETD au niveau de nos territoires. La quatrième composante vise à développer un système de gestion et d'information géolocalisé, de suivi, à même de renseigner sur le progrès du programme au quotidien. Je pense qu'ici, on aura l'occasion, les agences vont nous faire une démonstration là-dessus. Alors, quel est le cadre organisationnel de ce programme? Les 12 janvier 2023, le président de la République a promulgué l'ordonnance portant création, fonctionnement et organisation du cadre institutionnel sur le suivi du PDL 145 territoires et la mise en œuvre. Ce cadre organisationnel est placé sous la haute autorité du président de la République. Il comprend quatre comités. Alors, le premier comité, c'est le comité de pilotage du programme, qui est dirigé par lui-même le président de la République. Il est l'organe suprême
qui donne des orientations et prend des décisions sur le programme. Le deuxième comité est celui du comité de coordination, qui est dirigé par Son Excellence Monsieur le Premier ministre. Le troisième comité est le CONA, le comité national, qui est dirigé par le ministre ayant le plan dans ses attributions. Et enfin, le quatrième comité est celui, le comité technique provincial, qui est dirigé par le gouverneur de province. Alors, un mot pour la mise en œuvre du programme, parce que je vois mon collègue qui me signale déjà que mes 5 minutes arrivent à échéance. Alors, comme vous le savez, la mise en œuvre du programme a été confiée à 3 agences d'exécution, qui sont le PNUD, le BCECO et la CFF, à qui le gouvernement congolais a attribué à chacune d'entre elles une zone géographique, comme on nous le montre la carte, une zone géographique d'intervention pour l'exécution du programme. Alors, on entend souvent des questions du genre, mais pourquoi avoir confié le programme aux 3 agences au détriment des structures étatiques et sectorielles? Je tiens à souligner ici que ce programme est financier. Le financement de ce programme est assuré par les ressources publiques du gouvernement congolais, mais qui est aussi en appui avec le partenaire technique et financier. Donc avec l'appui, des partenaires techniques et financiers, notamment les FMI avec lesquels notre gouvernement est en programme. Donc il y a des exigences de transparence, de technicité et d'expertise. Et ces agences qui sont devant vous ont déjà géré des projets financés à la fois par le gouvernement congolais et les partenaires techniques et financiers. Il y a des exigences dans la gestion des finances sous forme de fiducie. Il y a aussi des exigences qui découlent notamment des procédures approuvées en matière de passation du marché. Donc ces agences sont autonomes et gèrent eux-mêmes de manière vraiment autonome la gestion des finances, la gestion des ressources que le gouvernement met à leur disposition, ainsi que les procédures liées aux passations de marché. Alors, pour citer, j'aimerais dire un mot sur le financement de ce programme. Les coûts de ce programme ambitieux est estimé à 1,665 millions de dollars américains. Sur ce montant, le gouvernement, c'est important de le souligner, a déjà mobilisé et sécurisé 762 millions de dollars. Donc il n'y a pas de risque à ce stade. Sur ce montant, 511 millions de dollars ont déjà été mis à la disposition des 3 agences pour la réalisation du premier volet du programme, qui consiste à la construction de plus de 2200 ouvrages, dont 1200 écoles, 788 centres de santé et 145 bâtiments administratifs territoriaux. Il y a aussi 12 millions de dollars que le gouvernement congolais a déjà versé aux 3 agences pour réaliser des études de faisabilité des 38 000 kilomètres de routes linéaires, des routes de déserts agricoles, et ainsi que de 444 ouvrages d'art. Donc voilà en liminaire ce que je pourrais dire sur les 145 territoires. Je pense que les agences sont le mieux placées pour nous donner, chacune à ce qui les concerne, l'état d'avancement, de construction, des travaux sur les terrains. Alors, un mot, juste pour citer, je note aussi que le démarrage du projet, les travaux de démarrage de projet est effectif sur l'ensemble du territoire congolais.
Le PNUD, son taux de démarrage est de 45%. Monsieur Diallo va vous expliquer le pourquoi. Le BCECO, il est à 100%. Et enfin, la CFF aussi est à 100%. Ce qui nous donne une moyenne de 81,6% du taux de démarrage. Voilà un peu... Chers collègues, merci de vos mots introductifs. Vous avez parlé des désenclaver les territoires, et évidemment dans la deuxième phase du projet qui va concerner la construction de routes des dessertes agricoles, on va s'assurer que ces routes s'interconnectent aux routes provinciales et ces routes s'intègrent aux routes nationales pour être sûr que nous avons relié toute la République démocratique du Congo. Vous avez parlé des transparences, des technicités, d'expertise. C'est ce que nous trouvons dans les trois agences. On va aller dans les vifs du sujet. Je voudrais commencer à ma gauche avec M. Jean Mabi qui dirige le bureau central de coordination pour qu'il puisse nous faire le point des provinces qui sont à leur charge et nous donner brièvement ce qui a pu être fait. Vous avez 15 minutes pour nous faire cette présentation. Merci, M. Mabi. Merci beaucoup pour la parole, Excellence. Mesdames et messieurs, le Bureau central de coordination, BCECO, en sigle, a la charge d'exécuter le PDL 145 territoires dans 48 territoires répartis dans 9 provinces, qui sont le Haut-Katanga avec 6 territoires, le Haut-Lomami avec 5 territoires, le Haut-Tuélé avec 6 territoires, Ituri, 5 territoires, Kassai Central, 5 territoires, Kassai Oriental, 5 territoires, Lomami, 5 territoires, Lualaba, 5 territoires et enfin Nord Kivu, 6 territoires. Comme résultat attendu dans le cadre de cette charge et surtout dans le cadre de la première phase d'exécution du PDL 145 territoires, BCECO a la charge de construire 414 écoles, 269 centres de santé et 48 bâtiments administratifs territoriaux afin de rétablir l'autorité de l'État. Pour construire de telles infrastructures, notamment exécuter ces projets, nous avons mis en place une stratégie de mise en œuvre pour nous faciliter la mise en œuvre. La première stratégie consiste à impliquer la population locale, la société civile et les autorités locales dans le choix des priorités. Tous les sites ainsi que les infrastructures qui sont construites dans nos 9 provinces ont été choisis par ces acteurs dont je viens de citer. Nous recourons à la loi relative au marché public pour attribuer le marché. La concurrence, la mise à la concurrence est la méthode adoptée pour l'octroi des contrats. Aucun contrat n'est attribué de gré à gré. Donc tous les opérateurs sont mis à concurrence. Évidemment, nous avons pris l'engagement de renforcer la redevabilité ainsi que la transparence. La redevabilité, nous rendons compte, nous avons la responsabilité de rendre compte aux autorités, aux populations, de l'utilisation des ressources mises à notre disposition dans le cadre de ces programmes. La transparence, nous publions tout ce que nous faisons. Si vous suivez les médias, souvent vous voyez nos avis d'appel d'offres pour le recrutement des entreprises en ce qui concerne les différents marchés dont nous avons la charge. Le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souhaité que les flux financiers de ces programmes profitent plus aux populations locales. À ce titre, nous avons exigé dans tous nos contrats la sous-traitance. Donc, tout celui qui gagne le marché doit sous-traiter au moins 40% de son contrat aux entreprises locales. Où en sommes-nous aujourd'hui? Toujours dans le cadre de notre stratégie, nous avons levé l'option de travail deux types d'acteurs. Il y a ce qu'on appelle les agences locales d'exécution, ALE, qui sont essentiellement les ONG, et les petites et moyennes entreprises. Nous avons confié aux ALE 313 infrastructures, dont 189 écoles et 124 centres de santé. Par contre, les PME ont la responsabilité de construire 225 écoles, 125 centres de santé et 48 bâtiments administratifs. À ce jour, nous avons signé des conventions avec les ALE, à peu près 41 conventions, pour un montant estimé à 85,5 millions de dollars. Et avec les PME, nous avons signé avec 70 PME des contrats pour un montant avoisinant les 104 millions de dollars américains. Soit qu'on va faire passer un petit reportage pour montrer où est-ce que nous en sommes. Comme son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Plans, a dit, tous nos chantiers déjà ont démarré.
sauf à Rutshuru, à Masisi et à Nyiragongo, où les chantiers avaient démarré, mais les chantiers ont dû être fermés suite à la guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Sur vos écrans, je crois que vous pouvez voir ce qu'ont été les travaux qui ont été exécutés sur certains sites, je crois, M. Mabi. On a des images du début, ça veut dire à l'état zéro, et puis lorsque les travaux ont été effectués, pour vous donner une indication du niveau de progrès. D'une manière générale, avec les agences locales d'exécution, c'est déjà à partir de demain que nous allons commencer à réceptionner les ouvrages. Donc c'est entre le 15 mars et le 30 avril que nous allons réceptionner les livrables dans les 9 provinces qui sont des provinces d'intervention du BESECO. Lorsque vous dites réceptionner, ça veut dire que les ouvrages ont fini d'être reconstruits. Oui, les ouvrages ont fini d'être reconstruits. La première réception, c'est la réception technique, où nos ingénieurs, qu'on appelle les ingénieurs à pied d'œuvre, vérifient s'il n'y a pas de malfaçon. S'il n'y a pas de malfaçon, on procède à la réception définitive. Donc je pense que je suis serein qu'au plus tard, le 30 avril, nous pouvons livrer toutes ces infrastructures à l'État congolais. Alors, pour ce qui concerne les PME, évidemment, les PME ont commencé un peu en retard parce que la procédure de recrutement des PME est beaucoup plus longue. Les PME viennent de démarrer. Et ils ont la charge de construire 418 infrastructures, comme je l'ai dit, 225 écoles, 125 centres de santé et 48 bâtiments administratifs. Nous espérons réceptionner le livrable des PME au plus tard juillet 2023. Nous avons reçu aussi des ressources pour les études concernant les routes des dessertes agricoles. Nous pensons qu'à ces jours, je peux confirmer que toutes les études sont finalisées et que nous les avons transmises à la DGSMP pour non-objection afin de les publier pour pouvoir recruter les prestataires. Nous avons fait le tour, nous avons eu la chance de faire le tour dans nos territoires. Nous sommes allés visiter nos chantiers. Nous pensons en fait que l'impact sur les populations et sur nos territoires est de loin de ce que nous pouvons espérer. Ce que nous avons constaté, d'abord, sur nos chantiers, tous les matériaux de construction locaux sont livrés par les femmes, à savoir l'eau, la caillasse et les sables. Autour des chantiers, il y a un nouveau commerce qui s'est développé, qui peut-être existait dans les grandes villes, mais qui n'existait pas dans les territoires. C'est les Maléwa. Maintenant, aujourd'hui, nous avons les femmes qui préparent pour les ouvriers qui sont dans les chantiers, mais également pour les hommes qui restent dans les villages en attendant que leurs épouses reviennent des champs. Donc, nous sommes sûrs que c'est un nouveau commerce qui sera pérennisé avec tous ces travaux et qui va permettre, en fait, que les populations dans nos territoires aient aussi aujourd'hui des revenus. Mais vous savez qu'un tel projet ne peut pas être mis en œuvre sans défi. Les défis sont énormes, je peux en citer. D'abord, la situation de guerre qui nous est imposée à l'Est risque de retarder la construction des infrastructures. Nous avons aussi le code du marché qui nous pose énormément de problèmes parce que ce texte n'est pas adapté aux projets d'urgence tels que le PDL 145 territoires. Nous avons des délais longs d'attribution des marchés qui partent de 3 à 6 mois. Or, ce projet est exécuté dans un délai de 2 ans. Si on doit passer une année pour recruter les prestataires, je pense que nous risquons d'avoir des problèmes. Mais heureusement, nous avons mis en place une stratégie qui nous a permis justement d'arriver là où nous sommes. Si en moins d'une année, nous avons de tels engagements qui aujourd'hui s'élèvent à peu près à 205 millions de dollars que nous allons dépenser dans ces pays en moins d'une année, vous imaginez l'impact financier au niveau des ménages, au niveau de l'économie. Donc ça, c'est un programme de grande envergure que nous vous demandons de soutenir. Merci, M. Jean Mabi, de votre concision.
Vous avez vu que tout à l'heure, les images défilaient. Nous allons nous organiser pour mettre cela à la disposition de la presse, parce que l'idée, c'est de vous montrer le projet quand ils ont commencé et comment ils ont évolué. Et comme il a dit tout à l'heure, lorsque vous mettez une centaine d'ouvriers sur un chantier, il y a des besoins, notamment les besoins de manger. Il a parlé des effets induits à l'économie, les mamans malewa, par exemple, mais aussi toutes ces femmes qui sont les premières qui viennent livrer des lots de caillasse et tous les matériaux de construction. C'est vous dire que tout l'écosystème à l'intérieur du pays est en train de connaître des mouvements. Nous allons passer la parole à M. Alain Lungungu qui dirige, lui, la cellule de financement des États fragiles, CFEF, qui lui aussi va nous dire comment, quelles sont les parties du territoire qu'ils occupent et comment ils ont évolué dans leurs différents chantiers. Monsieur Alain, vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Alors, sur les 145 territoires, la CFF couvre 43 territoires dans 7 provinces, qui sont le Congo central, où il y a 10 territoires, le Kwango, où il y a 5 territoires, le Kwilu, où il y a 5 territoires, la province du Maïndombe, qui a 8 territoires, l'Équateur, qui a 7 territoires, le Sud et le Nord Ubangi, qui ont chacun 4 territoires. Ça fait 43 territoires qui sont couverts par la CFEF. Il nous a été assigné de construire et d'équiper 360 écoles, 232 centres de santé et 43 bâtiments administratifs dans les chefs-lieux, ce qui fait en tout 635 infrastructures. Le défi a été de lancer tous ces marchés au même moment. Et pour lancer tous ces marchés au même moment, nous avons mis en place une stratégie. C'est une stratégie à la fois de passation des marchés et de mise en œuvre. Et cette stratégie de passation des marchés nous a conduit à allotir les 43 marchés à une entreprise territoriale. Ce qui veut dire que pour chaque territoire, nos 43 territoires, nous avons recruté une entreprise qui a, comme l'a dit le directeur général du BCECO, cette possibilité ici, parce que nous ne sommes pas là, nous ne la forçons pas, qui a cette possibilité aussi dans les contrats de pouvoir sous-traiter le marché à un montant maximum de 40%. Où est-ce que nous en sommes à ce jour? En fait, j'aurais bien voulu vous présenter la première image du baseline. Il faut revenir sur l'image du baseline. Je pense que c'est la première image qui montre les infrastructures dans l'état dans lesquelles ils étaient trouvés. Voilà. Lorsque le programme nous a été assigné, lorsque nous avons signé le contrat, au lendemain, nous avons déployé 635 ingénieurs individuels qui sont descendus sur chaque site pour géoréférencer les différentes infrastructures. Pour ceux qui sont déjà venus à la CFF, pour ceux que nous avons déjà rencontrés, nous leur avons montré où se trouve chaque site. Ce qui nous permet de mettre en place une stratégie de suivi-évaluation axée justement sur une application qui est géolocalisée. Alors, comme vous le verrez, nous avons pris quelques infrastructures. En regardant ces infrastructures, vous voyez le défi que nous devons relever. Vous avez, si je ne me trompe pas, parce que je regarde ici, vous avez un centre de santé à gauche qui se situe au Congo central. Vous voyez un peu où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. C'est ce que nous avons appelé le baseline, c'est-à-dire la situation de référence. Vous voyez l'état d'une école primaire à Idiofa, au Kwilu. Ensuite, vous avez une école primaire à Bassankoussou, à l'Équateur. Vous voyez donc que, en regardant ces images, j'ai vu dans certaines réunions des personnes rigoler. Mais ça doit plutôt nous interpeller pour dire que demain, nous ne devons plus avoir cette image d'école, mais avec la volonté du chef de l'État, nous devons avoir des infrastructures modernes au service, bien sûr, des populations riveraines. Alors, où est-ce que nous en sommes dans ce programme? Nous avons le taux de démarrage, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan, nous sommes à 100%. Nous avons démarré
nos infrastructures sur tous les chantiers, avec bien sûr l'appui des 43 entreprises que nous avons recrutées et sous l'œil vigilant des missions de contrôle que nous avons recrutées. Ensuite, si vous regardez l'évolution au niveau de chaque province, vous verrez que les taux d'exécution physique diffèrent. C'est en fonction, bien sûr, des contraintes que nous rencontrons sur le terrain. Les contraintes sont diverses. Il y a des sites qui sont inondés, il y a des problèmes des routes, hein, des voies de desserte agricole, mais aussi des routes d'intérêt provincial. Mais malgré ces difficultés, aujourd'hui, je peux vous présenter où nous en sommes. Si nous regardons la province du Congo central, vous allez remarquer que les infrastructures sont en train d'évoluer. Et cette image, vous l'avez sur plus de 80% des chantiers qui sont dans la province du Congo central. Le taux d'exécution physique, en termes d'exécution physique au niveau du Congo central, nous dépassons les 13%. Ça, c'est au niveau du Congo central. Les difficultés que nous avons rencontrées sont de différents ordres. Il y a d'abord l'accès difficile, comme je l'ai dit, à des sites. Il y a des territoires comme celui de Kimvula, qui sont des territoires qui sont totalement enclavés, nous le verrons plus tard. Et il y a Luozi aussi, qui est un territoire qui est difficile à atteindre, étant donné qu'il y a des problèmes de route. Sur certains sites, nous avons vu qu'il y a des câbles de la SNEL qui passent, nous avons réglé ce problème. Mais le principal problème, comme je l'ai dit, c'est l'état des voies de desserte agricoles. Au niveau de la province du Kwango, les taux d'exécution physique sont un peu plus importants. Nous sommes à 20%. Nous sommes en train d'avancer. Les entreprises sont en train, malgré les difficultés, de construire. Les difficultés sont du même ordre, sauf que nous pouvons ajouter qu'il y a des problèmes, inadéquation bien sûr, entre l'offre des matériaux et la demande qui est induite par les travaux qui doivent être lancés au même moment. Donc la plupart de ces entreprises s'approvisionnent à partir de Kinshasa. Au niveau de la province du Kwilu, les taux d'exécution physique en moyenne, bien sûr je donne une moyenne parce qu'il y a des territoires où on est un peu plus avancé, nous sommes à 21%. Hein, et les difficultés sont les mêmes que celles que j'ai énoncées avant celle-là. La province du Maïndombe est la province où nous avons quelques problèmes parce que c'est une province qui est très enclavée, mais les choses commencent à s'améliorer. Vous verrez que je n'en parle pas beaucoup parce que ceux qui auront des questions, on pourra en parler en aparté. Je passe plutôt à la province de l'Équateur, où les taux d'exécution physique dépassent maintenant les 15%. Nous sommes en train de construire les écoles, les centres de santé, les bâtiments administratifs. Au niveau de la province du Sud Ubangi, la moyenne, elle est de 18%. Ce sont les taux d'exécution physique que nous avons. Et pour terminer, au Nord Ubangi, nous atteignons les 15% à ce jour. Là, nous vous avons dressé, en bloc les taux d'exécution physique de chaque province. Nous estimons que d'ici le mois de mai, nous devrons avoir les premières infrastructures qui seront livrées, celles qui sont les plus avancées et qui sont sur des territoires qui sont les plus accessibles. Alors, quels sont les principaux défis que nous avons relevés? D'abord, ce sont les délais impartis dont il y a le DG du BCECO qui a parlé des contraintes de la loi relative au marché public. Il y a des délais qui sont incompressibles. Donc, si vous vous engagez dans le recrutement, par exemple, d'une entreprise, vous avez au minimum 3 mois. Et ça, c'est lorsqu'il n'y a pas de ping-pong entre nous et la Direction générale du contrôle des marchés publics. Mais dès lors que le marché est bien fait et qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucune question, c'est au minimum 3 mois. Il y a le lancement simultané des marchés. On l'a dit, il fallait lancer tous les marchés. Vous savez, avec la Banque mondiale, nous avons exécuté plusieurs projets Banque mondiale et BAD. Un tel projet s'exécuterait en 5 ans. Et
Là, nous avons un défi, c'est de construire ces infrastructures en moins de un an et demi. Et vous comprenez les défis que nous avons relevés. Il y a l'accès difficile à certains sites qui conduit à un accroissement des coûts logistiques. Les coûts logistiques sont très importants. Quand vous regardez les problèmes que nous avons sur certains sites, vous comprendrez que les difficultés sont énormes. Il y a les coûts des transactions qui sont très élevés pour accéder au financement. Comme vous le savez, pour que nous puissions payer une avance de démarrage à une entreprise, elle doit déposer une garantie. Or, pour obtenir une garantie dans une institution financière, ce n'est pas facile. Il y a des coûts en termes de délai, parce que ça prend du temps, et en termes en argent aussi. Et le sixième problème, ce sont des problèmes sécuritaires. Au Maïndombe, nous avons de sérieux problèmes, surtout dans le territoire de Kwamout, où il y a des problèmes sécuritaires. Nous sommes en train d'échanger avec Madame la gouverneure pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que, ne fût-ce que dans un certain périmètre, on puisse construire les infrastructures prévues, et le reste, on le fera lorsque les conditions seront favorables. Nous avons constaté aussi que lors des études, il y avait des sites qui étaient accessibles dans l'Équateur. Aujourd'hui, nous nous rendons, nous avons le fleuve, le débit du fleuve qui a inondé ces sites. Et nous sommes en train de discuter avec les administrateurs du territoire, avec la société civile, pour voir comment est-ce que nous pouvons modifier ces sites. Comme le DG l'a dit, la plupart, tous les sites ont été choisis lors de la phase de la formulation du programme par les administrateurs du territoire, avec bien sûr les organisations, toutes les forces vives de ces territoires. Donc, voilà un peu en gros. Maintenant, sur le plan des voies de desserte agricole, nous avons relevé que c'est une très grande contrainte que nous avons. Aujourd'hui, les études ont été achevées. Demain, nous aurons un atelier, nous allons tenir un atelier, organiser un atelier avec l'OVDA et ainsi que le ministère des ITPR pour valider les dossiers d'appel d'offres qui vont être lancés dans les 7 provinces. Laissez-moi vous dire que ça sera aussi un nouveau challenge, mais la commande publique par rapport à ce marché, nous allons l'ouvrir à toutes les entreprises, à toutes les PME qui remplissent les conditions prévues par la loi. Voilà, Excellence, à ce niveau où nous en sommes dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires pour la période couverte par la CFF. Merci beaucoup, M. Alain Lungungu, pour vos mots introductifs. Comme vous avez pu le voir, que c'est des chantiers qui sont mis en place partout et c'est des difficultés parce qu'en fait, ces programmes, pour ceux qui vont suivre ces programmes de près, vont maîtriser la géographie du pays et vont avoir la connaissance de territoire. Je ne sais pas si beaucoup dans la salle ou à la maison peuvent être en mesure de citer une centaine de territoires. Je pense que ce sera l'objet d'un concours pour voir si nous tous nous maîtrisons cette matière. L'autre agence qui est impliquée dans ces travaux, il s'agit du programme des Nations Unies pour le développement. Cette fois-ci, ce n'est pas les PNUD qui financent, mais les PNUD a été recrutée comme prestataire parce qu'elle opère aussi dans ces secteurs. Et comme le collègue du plan l'a dit tout à l'heure, les PNUD est un peu en retard comparativement à d'autres, mais peut-être qu'elle ne l'est pas réellement parce que les PNUD a d'autres process. Monsieur Diallo, vous pouvez nous en dire davantage, nous situer où est-ce que vous êtes dans les territoires et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans cette première phase de travaux pour le compte de 145 territoires. Merci beaucoup, Excellence. Je pense qu'au niveau du PNUD, comme vous l'avez dit, nous sommes une agence de développement des Nations Unies spécialisée dans le développement. Et quand ce programme a été mis en place par l'État congolais, nous avons vu son importance, surtout son implication dans l'atteinte des 12 ODD, des objectifs de développement durable sur les 17.
et il est aussi en phase avec le plan cadre des Nations Unies pour le développement et aussi au plan stratégique au niveau des Nations Unies, en plus du plan national de stratégie de développement que Excellence venait de dire. Donc ça a montré effectivement, et pour une fois, nous avons, en tout cas au niveau du PNUD, c'est la première fois qu'on voit une volonté politique de cette envergure d'aller pour corriger les inégalités entre le monde territorial et rural et le monde urbain. Et d'ailleurs, pour vous compléter, la directrice Afrique, régionale Afrique, je pense, oui, que nous avons rencontrée avec le Premier ministre à Tunis, nous l'a dit pour dire qu'en tout cas, elle est venue d'encourager et féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo pour cette initiative et ces projets qui sûrement va inspirer d'autres pays sur le continent. Allez-y, M. Diallo. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Excellence, pour m'avoir complété sur cet aspect. Le PNUD, en fait, fait partie des 3 agences d'exécution, comme ils l'ont dit. Nous sommes dans 9 provinces et 54 territoires. Les 9 provinces, c'est la Mongala, la Tchouapa, Tchopo, Sankuru, Kasai, Maniema, Tanganyika et Sud-Kivu. Voici les 9 provinces sur lesquelles nous sommes. C'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure Excellence, nous sommes à 45% par rapport à l'avancée du projet. Mais juste, ce programme, c'est un marathon. J'aime le dire, c'est un marathon. Donc, quand nous avons signé l'accord avec le gouvernement congolais le 4 mars 2022, il fallait mettre en place une équipe dédiée à ce programme. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes à peu près 150 personnes, parmi lesquelles 95% sont des Congolais que nous avons recrutés sur place pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme. Et c'est vrai que ça a pris un peu de temps. Comme vous le savez, les processus de recrutement, souvent, ce n'est pas aussi facile que ça. Maintenant, quand nous avons mis en place l'équipe, nous étions partis dans le processus de passation de marché. D'abord, les études de faisabilité que mon collègue de la CFF a présenté tout à l'heure. Nous avons aussi la même base de données. Il fallait aussi faire le processus de passation de marché. Et dans ce processus de passation de marché, si vous alliez la qualité et le délai imposé par ce programme, vous devez chercher quand même des entreprises qui sont à même de réaliser le travail qui est demandé. Et je pense que ça aussi, ça a pris un peu de temps, avec les difficultés que mes collègues ont parlé ici en termes de garantie, en termes même de capacité financière, capacité technique. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que là où nous sommes à même de dire, sur les 764 infrastructures que nous allons construire dans cette première phase, 314 ont déjà été attribuées et les travaux ont commencé. C'est principalement dans les 9 provinces. Et il reste 450 infrastructures que nous allons aussi lancer et dont la date limite va arriver à échéance à la fin de ce mois. Juste pour vous assurer, quand nous avons fait la première passation de marché et que nous avons remarqué, c'est très difficile en tout cas de trouver des entités qui sont à même de faire justement en reliance qualité et délai. C'était un peu difficile et c'est pourquoi aujourd'hui, je pense au niveau du PNUD, nous avons fait ce qu'on appelle un renforcement de capacité des petites et moyennes entreprises et des ONG locales. Demain, il va se dérouler un atelier ici au niveau de Kinshasa, sous le lead de la Fédération des entreprises du Congo. Et dans toutes les provinces, aujourd'hui, ces ateliers sont en train d'être faits pour essayer de donner, en tout cas ces entreprises, à pouvoir multiplier leurs chances pour pouvoir accéder à un marché pour le PNUD. S'agissant maintenant de l'avancée proprement dite des chantiers, pour la province de la Mongala et de la Tchouapa, nous sommes dans les territoires de Befale, au niveau de Tchouapa, et le territoire de Wema. Dans le territoire de Wema et de Befale, nous sommes pratiquement à 30% d'avancée des chantiers. Et au niveau aussi de la province de la Mongala, notamment à Lissala et à Bumba, nous sommes aussi environ à 30%
de l'avancée. Quand nous avons signé aussi les contrats pour les 314, ça c'est les images que vous voyez ici, c'est au niveau de la province de Boindé, de Tuapa, et la province aussi de Lissala, là où nous avons déjà commencé à entamer les chantiers. Voilà, Mongala et Tuapa. Maintenant, les autres provinces, effectivement, nous avons posé aussi les pierres le 25 février. Donc les entreprises sont en pied d'œuvre et j'espère, à la prochaine rencontre Excellence, je vais vous présenter ici l'avancée, effectivement, sinon la finition même de certains chantiers. Parce que ces chantiers qui sont à la Mongala et à la Tuapa, nous allons les réceptionner en mi-mai 2023. Les autres chantiers, pour les 314, nous allons les réceptionner mi-août 2023, compte tenu du calendrier de décaissement que nous avons avec les entreprises. Il faut juste que je souligne un point qui est très important, dont nous avons dit, même si les passations de marché ne sont pas avancées, qu'est-ce que nous pouvons faire? Surtout, il y a un volet qui est très important, c'est le volet ingénierie sociale. S'assurer que les communautés s'approprient et sont informées du PDL. Et je pense, dans ce cadre, nous avons quand même pu organiser des ateliers provinciaux dans toutes les provinces où nous sommes. Nous avons organisé des caravanes de sensibilisation et aujourd'hui, nous avons plus de 3000 personnes par territoire qui sont, en tout cas, dédiées à expliquer et à défendre le programme PDL. Je pense que les images qui sont là pour vous montrer, pour vous illustrer ces caravanes motorisées que nous avons organisées dans toutes les provinces. L'autre aspect aussi que nous avons mis en place, tout à l'heure, mon collègue de Besseco parlait des mamans Malewa pour amener, préparer à manger pour les chantiers. Nous avons aussi un volet sensibilisation sur le genre, parce qu'il ne faut pas qu'on perde ça aussi de vue. Parce que généralement, quand les chantiers viennent, etc., il y a beaucoup de situations qui font qu'il faut qu'on soit vigilant parce que ce programme, comme l'a dit l'État congolais qui nous a confié ce programme, ils ne veulent pas quelque chose qui est en contradiction avec l'éthique et la déontologie. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire en termes de passation de marché, en termes de sensibilisation pour s'assurer qu'effectivement nous allons rendre compte au niveau du gouvernement ce dont ils nous ont demandé. Donc ça, c'est l'atelier qu'on avait eu avec les femmes leaders. Nous avons eu 3 femmes par territoire. Elles sont venues ici à Kinshasa sous le leadership de la ministre du genre. Et nous avons fait la sensibilisation sur ces aspects. Et comment aussi les entreprises féminines, et ça je lance un appel, il faut que les entreprises féminines puissent participer justement au processus de passation de marché du PNUD pour gagner plus de marché et mettre en œuvre le programme. Parce qu'après cela, je pense que c'est une chose qu'on va mesurer et qu'on va rendre compte au niveau du gouvernement sur la manière dont on a utilisé les ressources qui ont été mises à notre disposition. Juste pour confirmer le ministre d'État, les ressources pour la mise en œuvre des 764 infrastructures sont aujourd'hui mis à la disposition du PNUD. Et je pense aussi que c'est valable pour les autres agences. Et l'argent aussi pour les études de faisabilité des routes de dessertes agricoles ont déjà aussi été mis à la disposition du PNUD. Donc je pense que là, nous sommes vraiment en train d'avancer et que d'ici la fin mi-2023, nous allons livrer nous aussi les infrastructures tels que nous sommes engagés auprès de l'État congolais. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, M. Diallo, pour vos mots introductifs. Maintenant, nous allons aller dans les vifs du sujet pour vous permettre de réagir à ce qui a été dit ici. Le programme, il est ambitieux. Il faut construire plus de 2200 infrastructures, 1200 écoles, 788 centres de santé, 145 bâtiments administratifs et pas seulement, mais vous avez vu tous les impacts qu'il y a dans l'écosystème, dans les activités des femmes, dans les activités des jeunes. Le pays est véritablement un chantier et nous sommes véritablement dans la matérialisation de la vision du président de la République. Alors, pour cette série de questions, on va commencer par Israël Moutala. Je souhaiterais que les questions soient précises et courte pour permettre à nos différents intervenants de réagir, parce que si nous prenons une série, parfois, nous pouvons nous perdre. Alors, je demande un peu plus de concision et de clarté à nos professionnels de médias. Monsieur Moutala, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai une question au ministre du Plan. Ma question, c'est en rapport avec la répartition des fonds. Est-ce que, parce que tous les territoires n'ont pas la même population, n'ont pas les mêmes besoins, est-ce que, quelle est la moyenne par territoire? Est-ce que vous avez un montant précis pour chaque territoire ou vous avez un correcteur en fonction de la population, en fonction du degré de développement de chaque territoire qui n'ont pas les mêmes degrés de pauvreté? C'est ma première question. Une autre petite question, toujours au ministre du Plan. Est-ce que vous ne craignez pas aussi, en imposant aux prestataires 40% de la sous-traitance, vous ne craignez pas qu'il y ait une absence des entreprises congolaises qui ont de la compétence, qui ont la capacité technique et financière? Je pense à certaines provinces comme la Chuapa ou l'Omami, où justement l'activité économique n'était pas développée et donc il n'y avait aucun intérêt que des sociétés congolaises s'y installent. Et donc ça peut freiner aussi le projet. Au ministre de la Communication et des Médias, juste une question. Ne pensez-vous peut-être pas que le délai que vous imposez répond à un agenda politique plutôt qu'à un agenda technique? Parce que ici on vous a dit que pour de tels ouvrages, il faut 5 ans. Vous vous imposez une année, sachant que nous sommes dans une année électorale ou préélectorale. Bref, est-ce que c'est conciliable le délai politique? Je sais que vous portez ce projet politique, c'est un beau projet politique, mais est-ce que les impératifs politiques ne peuvent pas nuire à l'efficacité du projet sur le plan technique? Merci. Merci, M. Moutala, pour vos questions. Je pense que sur les sujets, on se fera compléter par les experts attitrés. D'abord, ces projets, on a dit qu'ils s'étendent sur 2 ans. Le président en a parlé en 2021. On a véritablement commencé en 2022, parce qu'avant de les lancer, il fallait passer par toutes les étapes. Je pense qu'ici, lorsque M. Alain parlait de process, notamment au niveau de la Direction générale du marché public, vous avez vu qu'on a absorbé beaucoup de temps à ce niveau-là, parce que nous voulons justement nous assurer que toutes les phases sont respectées. Le projet peut durer 5 ans, mais techniquement, il peut durer moins de temps. Tout dépend de la quantité des ouvriers que vous mettez sur le terrain. Dès lors que vous avez les études, vous avez la voie qui est balisée et qui permet que cela se fasse. Ici, il faut savoir que ce qui s'est fait ne s'est fait pas pour nous, gouvernement. Nous le faisons, mais nous le faisons pour les populations. Et donc, on a commencé les projets en 2021. Le président a énoncé sa vision. En 2022, on la concrétise, ce sera 2023, ce sera 2024, en fonction du rythme de construction. Mais pourquoi on prendrait du temps là où on peut raccourcir? C'est aussi, je pense, un défi technique qu'on a imposé aux agences. Je souhaiterais me faire compléter à propos avant que mon collègue du Plan ne réponde à vos autres préoccupations. Mais ici, il faut considérer que cela ne répond pas à un agenda politique, cela répond à un impératif qui veut que très rapidement, les Congolais, en tout cas dans les milieux, je n'aime pas trop parler de l'arrière-pays parce que je trouve que l'expression est un peu péjorative, mais cela permettra plutôt rapidement de mettre des services comme de centres de santé, des écoles à la disposition de populations parce qu'ils en ont besoin urgemment. Et ici, la précision, c'est que les ouvrages, quand ils seront livrés avec des équipements. Ça veut dire que lorsqu'on vous donne une école, c'est une école avec des bancs, avec des tableaux, avec le matériel moderne qui vous permet de dispenser des cours. Lorsqu'on vous donne un hôpital, c'est avec des équipements requis. On va commencer par M. Alain et puis on prendra quelques commentaires de M. Mabi. Merci, Excellence, pour la parole. Pour vous compléter, Excellence, l'exemple que nous avons donné en ce qui concerne le timing d'exécution des projets qui est aligné sur des projets de type bailleur, Banque mondiale, Banque africaine de développement, c'est juste pour vous montrer le défi que le PEDEL aujourd'hui est en train de relever. Il nous a été donné comme instruction, et nous nous sommes comme des militaires, nous devons exécuter, c'est de lancer tous les marchés au même moment. Donc, nous, en tant qu'agence d'exécution, notre travail était de bâtir une stratégie. Et comme je l'ai dit, c'était une stratégie à la fois de passation des marchés et à la fois une stratégie de mise en œuvre. La stratégie que nous avons adoptée, c'était celle de dire, si nous recrutons une seule entreprise, alors que nous avons 635 marchés, je pense que le suivi et l'évaluation, nous allons le compliquer, et aussi la mise en œuvre va être difficile.
C'est pour ça que nous avons mis en œuvre, en place une stratégie basée sur l'allotissement. Allotissement, c'est-à-dire grouper des infrastructures et les allouer à des entreprises, à une entreprise. Une entreprise, bien sûr, qui peut démontrer de la capacité d'exécuter des marchés similaires. Donc, cet exemple a été donné justement pour montrer les défis que nous sommes en train de relever, les difficultés que nous sommes en train, les obstacles que nous sommes en train de surmonter, mais pour montrer aussi que nous sommes en train de répondre positivement à toutes ces difficultés. Voilà, Monsieur Mami, un petit complément. Dans le cadre de projets financés par les bailleurs, il a souvent été reproché à la RDC la faible taux d'absorption des ressources. Absolument. Je pense que ce programme, avec l'organisation qui est mise en place, toutes les stratégies, montrent qu'avec une telle organisation, nous pouvons exécuter dans un délai bref tous les projets. Je vous ai dit, moi, au niveau de BCECO, en moins d'une année, nous allons décaisser 205 millions de dollars. Alors que vous avez des projets de bailleurs de 50 millions qui prennent 5 ans à être mis en œuvre pour différentes raisons. Donc, je pense qu'il faudrait nous encourager. Autre chose qui justifie aussi le délai, le pays fait face à un déficit en infrastructure énorme. Je ne sais pas si vous avez la chance de circuler dans nos territoires. Moi, je suis allé, je parle bien des territoires ruraux, pas des chefs-lieux de territoire. Dans les territoires ruraux, la plupart des maisons sont des cases. Vous avez même vu les anciennes écoles, les anciens centres de santé. Quand vous arrivez, vous trouvez de tels bâtiments qui s'élèvent. Et c'est impressionnant. Moi, j'avais organisé quelques visites des journalistes de certains organes de presse qui ont fait le tour. Dans mes 9 provinces, ils ont visité tous les chantiers. Ils ont été surpris par ce qui est en train d'être fait. Non seulement à terme d'organisation, mais en termes de qualité. La qualité, vous imaginez, dans un territoire, on construit des bâtiments matériaux durables où on respecte la qualité. Il n'y a pas de malfaçon. Il n'y a pas de malfaçon. Donc ça aussi, c'est encourageant. Et autre chose aussi, comme impact, les habitants de ces territoires apprennent un nouveau métier. On peut considérer comme banal, mais c'est un métier qui est générateur de revenus. Aujourd'hui, ils apprennent à fabriquer les briques, les blocs ciment. C'est une technique qu'ils ne connaissaient pas. Aujourd'hui, ils font la charpente, ils font les mélanges de ciment, mélange de béton. Dans nos images, vous avez même vu les femmes. Les femmes sont sur chantier. Il y a des chantiers qui sont dirigés par des femmes. Il y a des chantiers où les femmes sont des ouvriers qui jouent le rôle d'ouvrier, ainsi de suite. Donc je pense que par rapport au délai, nous avons intérêt à raccourcir les délais si aujourd'hui nous voulons combler les gaps que nous avons à terme d'infrastructure. Et des services rendus. Alors concernant... Oui, allez-y, terminez et puis on donnera la parole à... Je ne sais pas si vous posez le premier point, parce que moi je vais entrer à la deuxième question. Non, alors attendez pour la deuxième question. On va terminer avec le commentaire de M. Diallo. Oui, merci beaucoup, Excellence. Non, je pense que c'est, comme l'a dit mes collègues, vous aviez soulevé tout à l'heure la problématique des entreprises nationales au niveau de Tchouapa. Pour vous rassurer jusque-là, en tout cas, nous avons signé qu'avec des entreprises nationales. Ça, c'est un. De deux aussi, pour donner la chance aux petites et moyennes entreprises, c'est là où je vous ai dit aujourd'hui, à Tchouapa, je pense que c'est demain que ça va faire cet atelier au niveau de Tchouapa, qui a déjà eu lieu à Mangala. C'est pour essayer d'essayer de donner ces petites et moyennes entreprises et ONG locales la chance de pouvoir répondre aux critères, pourquoi pas même les mettre en groupement pour qu'ils soient ensemble. Donc pour nous, en tout cas, l'instruction qu'on a reçue de l'État congolais, c'est de faire profiter ce programme aux ONG, aux entités locales. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et je peux même vous dire, par exemple, à Tchouapa, où il y a des problèmes de réseau souvent, nous avons même amené des VSAT pour essayer de se connecter dans le système et postuler. Donc, c'est vous dire que les efforts qui sont en train d'être faits pour rassurer qu'effectivement, les entreprises congolaises puissent bénéficier de ce programme. Merci. Alors, je souhaiterais qu'après la prise de parole de mon collègue, dans l'une des questions qui reviendra, que les agences nous expliquent le concept de ALE, Agence Locale d'Exécution, parce que le projet, il est fait pour les Congolais, là où les Congolais se trouvent. Et donc, nous voulons bien rester dans tout ce dont on parle, procédure et tout ce que vous avez dit là, mais à quel moment les populations de la Lomami ou de la Tchouapa
seront outillés pour commencer à contribuer aux efforts de développement. Je pense que ces projets, vous verrez lorsque les agences vous expliqueront, il y a une intelligence qui a été développée, non pas seulement pour les outiller, mais pour leur permettre aussi d'apprendre à être compétitifs. Parce qu'on ne va pas commencer à prendre les Congolais de Kinshasa pour aller construire à la Chapa, là où on peut trouver des Congolais, d'autres qui peuvent aussi contribuer aux efforts de développement. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre aux questions qui vous ont été destinées. Merci, merci pour les questions, monsieur Moutala. En ce qui concerne la répartition des fonds, je pense que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les principes qui ont guidé l'élaboration et la formulation de ce programme, ce sont des principes d'équité territoriale et sociale. Chaque territoire bénéficie d'une enveloppe globale de 10 millions de dollars sur 2 ans. Donc il n'y a pas un territoire qui a plus ou bien qui a moins de ressources. Mais par contre, il y a la priorisation qui s'est faite au niveau des territoires, au niveau de chaque lieu du territoire. Lors de l'élaboration, nous avons envoyé des missions dans les chefs-lieux du territoire, justement pour déterminer, ensemble avec les administrateurs du territoire, ensemble avec les acteurs de la société civile élargie aux confessions religieuses, la détermination des besoins de chaque territoire. Vous comprendrez, par exemple, aujourd'hui, il y a des territoires qui ont moins d'écoles, moins de centres de santé, moins de forage d'eau, mais qui auront, dans les autres composantes du programme, par exemple, en ce qui concerne les chaînes de valeur, des activités beaucoup plus importantes. Mais en toile de fond, chaque territoire bénéficie d'une enveloppe de 10 millions de dollars. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. C'est le principe de l'égalité plutôt que de l'équité. Mais, et donc, sur le principe, sur le principe, c'est ça qui a été décidé. Au moins, on est sûr que dans chaque territoire, nous le faisons. C'est ça. Après, ça peut être beaucoup, ça peut être peu, en fonction des besoins, en fonction des difficultés. Lorsque M. Alain Lingungu vous parle, par exemple, des Kivula, ou pour apporter des sacs de ciment, vous devez prendre des motos et mobiliser des motards pour être sûr que le matériel atteint la destination, c'est des coûts supplémentaires. Mais c'est aussi cela la beauté de la réalité ici, de la RDC. Ces programmes, en fait, nous permettent d'être véritablement au contact et à la connaissance des réalités locales à tous les niveaux. Il y aura, c'est une première phase qui évidemment nous permettra de tirer des leçons, mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de ce programme de 145 territoires, il y a le programme du gouvernement qui fait aussi des différents travaux dans les différents territoires. Cela doit être bien noté. On va prendre la prochaine question de Jérôme Sekana. Ah, il y avait une question sur la sous-traitance. Jérôme Sekana a approché. Le temps qu'on termine de répondre à la question, La question sur la sous-traitance, c'est la loi qui le prévoit. Comme a expliqué mon collègue de la communication, ces programmes s'adressent essentiellement aux Congolais. Et le souhait du gouvernement, c'est de pouvoir bénéficier aux entreprises, petites soient-elles, des marchés. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas la capacité à la fois technique et financière de pouvoir se qualifier. Je vous donne un exemple. Le PNUD avait bâti sa stratégie de recrutement en termes de province. Alors nous, nous avons dit non, vous ne pouvez pas continuer cette stratégie, tout simplement parce que ça va éliminer un certain nombre d'entreprises qui n'auront pas la possibilité de vous soumettre des garanties importantes, parce que le souhait pour nous, c'est de descendre au niveau des territoires, comme ce qu'ont fait les deux autres agences. Et plus les marchés sont petits, plus il y a la possibilité pour les entreprises congolaises de pouvoir s'y qualifier. Donc voilà. Voilà. Je vous ferai compléter par les agences, M. Mami, par rapport à la question de la sous-traitance. Enfin, je veux compléter, sur l'action de M. le ministre du Plan, ministre d'État, ministre du Plan, Aïe. L'idée, comme on l'avait dit, en fait, dans la stratégie, les flux financiers du PDL 145 territoires doivent profiter plus aux populations locales. C'est ça aussi l'idée de 40%. Nous, au niveau du BESECO, nous avons introduit une autre notion, c'est de travailler avec les agences locales d'exécution qu'on appelle les ALE,
qui sont essentiellement des ONG. Et nous avons à peu près 20 ans d'expérience avec les ALE. L'avantage avec les ALE est que les ALE ne soumissionnent que là où ils ont un ancrage. Donc si l'ALE n'a jamais travaillé à l'OMAMI, elle ne va pas soumissionner à l'OMAMI. C'est ainsi que vous voyez des endroits difficiles tels que l'OMAMI, les travaux ont démarré. Walikale, qui est enclavé, les travaux ont démarré. Dans des endroits difficiles comme Rutshuru, les travaux avaient démarré. Quand on va à Dungu, dans le haut à Dungu, les travaux ont démarré. C'est à cause des ALE aussi. Vous pouvez peut-être nous donner l'exemple d'une ALE ? Une ALE, bon, je ne vais pas citer le nom, pour éviter la concurrence. Ce sont les ONG. Et autre avantage aussi dans ce programme, au niveau de Beseko, 95% des marchés ont été attribués aux structures dont les propriétaires ont la nationalité congolaise. 5% aux structures des droits congolais, mais dont les propriétaires sont étrangers. Donc, c'est déjà un pas. Et aussi, le gouvernement a allégé un certain nombre de choses. L'une des difficultés que les opérateurs économiques congolais avaient, c'était l'accès au financement. On a parlé de l'avance de démarrage de 30%. Aujourd'hui, avec les nouveaux décrets que son Excellence Monsieur le Premier ministre vient de publier, les décrets portant manuel de procédure de la loi relative au marché public, on a introduit la notion de caution que les compagnies d'assurance donnent, qui peuvent être utilisées comme garantie bancaire. Donc tout ça, c'est pour faciliter aux Congolais d'accéder au marché public. Merci. Voilà, merci. On va prendre la question de Jérôme Sekana. Merci pour la parole, Excellence. Je commencerai d'abord par vous féliciter, Monsieur le ministre de Médias. Pourquoi ? Laissez-moi m'expliquer, s'il vous plaît. Ça sera peut-être le premier briefing de l'année. Le projet PDL 145 territoires, c'est le plus grand et le meilleur projet du gouvernement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a jamais financé un tel projet. Ce projet corrige les inégalités. Il y a des territoires où, depuis le départ des Belges, si vous n'avez pas un homme politique fort, il n'y aura ni école, ni dispensaire, ni quoi. Alors, ce projet, il est meilleur. C'est pour cette raison que, en plus de vous féliciter, de féliciter le gouvernement, et je pèse bien mes mots parce que je connais les projets. Merci. Alors, première question, je m'adresse au ministre du plan. Ce projet a besoin de l'appropriation par les bénéficiaires. Et pour avoir une bonne appropriation, il faut communiquer. Je pense que d'aucuns seront surpris d'apprendre un certain nombre de choses à travers ces briefings, tout simplement parce que la communication n'a pas été faite selon les règles de l'art. Je voudrais comprendre, sur les 1,665 milliards de dollars, dont 562 déjà décaissés, quel est le pourcentage réservé à la communication? Parce que là, le gouvernement vient de vous offrir un plateau et pourtant vous devriez penser à ça pour permettre une bonne appropriation. En ce qui concerne les ALE, et là je m'adresse au Beseko, qui est expert. Je vois d'ailleurs les écoles, c'est le prolongement des prises. Quelles sont les dispositions, les modèles, hein? Quelles sont les dispositions prises pour que les ALE ne puissent pas consommer l'argent du trésor sans exécuter les travaux? On l'a vu à l'Équateur. Certains religieux, je ne veux pas citer les noms. Est-ce qu'avec ce projet, étant donné que vous aviez vécu cette situation dans PRIS et dans d'autres projets, vous aviez pris des dispositions pour que ceux qui vont recevoir l'argent ne puisse pas disparaître dans la nature et ne pas exécuter les projets. Et enfin, en ce qui concerne l'immersion, je ne sais pas si vous avez eu le temps, monsieur le ministre, de pouvoir communiquer la vision aux trois agences, parce que j'ai quelques inquiétudes en ce qui concerne le PNUD, qui a le plus gros morceau. Je sais très bien que vers les années, en 2012-2013, tout ça, le PNUD nous a aidé à construire même les écoles de prise. Mais maintenant là, nous sommes en retard par rapport à la demande du gouvernement. Quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau du PNUD? Ils ont engagé une centaine de Congolais.
ce sont des gens qu'on engage pour un temps et puis on les laisse partir, contrairement au PCCO, contrairement à la CFF. Est-ce que, comment le PNUD va récupérer le retard perdu? C'est très important. Est-ce qu'il y a, il y a des passerelles jetées au niveau du ministère du Plan entre le PCCO, la CFF et le PNUD pour réussir ce projet? Alors, merci Jérôme pour vos questions et pour la première partie de votre commentaire. Mais ici, il faut, je crois, rendre les lauriers au président de la République qui a eu cette merveilleuse idée de s'assurer que nous faisons quelque chose dans chaque territoire. Alors, vous avez parlé de la communication. Vous vous souvenez qu'en début d'année 2022, nous avions eu beaucoup de réunions autour du président de la République parce que nous réfléchissions sur les lancements, pas seulement la concrétisation et comment la communication devrait se faire pour avoir une appropriation. Mais nous ne pouvions pas commencer dans un pays où les gens ont beaucoup été abreuvés par des mots, par faire beaucoup de communication, là où c'était encore une idée. Mais l'idée, on l'a eue, l'idée, il fallait la mûrir, il fallait trouver les modèles, parce que nous sommes sur un modèle inédit où le gouvernement décide, mon collègue l'a dit tout à l'heure, de s'appuyer sur l'expertise, la transparence des agences, parce qu'il était question ici d'éviter les pièges. On a vu qu'il y avait des procès de projets par le passé, où les gens disaient il y a des risques de ceci, des risques de cela. Ici, nous avons voulu prendre toutes les précautions en amont pour nous assurer que le projet est bien couvert. Par la suite, il y avait évidemment les travaux préliminaires qui ont été faits, les agences vous diront, même si cette communication n'a pas été forcément perçue par les médias, parce que nous avions un moment critique à partir duquel nous avions prévu de commencer à communiquer intensément pour que cela ne ressemble pas à de la propagande. Tout ce que nous vous disons, c'est des choses que vous pouvez vérifier. Mais vous avez vu le PNUD avec des motards à l'intérieur du pays. Vous avez vu BCECO et CFF vous diront ce qu'ils ont fait à propos. Alors, il y a la question du financement dont que vous avez posée sur la communication, j'y répondrai, parce que mon collègue... Alors, sur la question du financement, nous sommes en train de travailler justement avec le ministre de Plan et le ministre des Finances, parce qu'ici, je vous donne un exemple. Nous sommes dans un pays où les gens sont des Saint Thomas, s'il faut parler en langage habituel. Lorsqu'on parle de ces femmes qui vendent les Malewa, j'avais dit au directeur général de la BCECO, ces femmes-là doivent être vues. Nous avons donc 145 sites où nous devons aller puiser l'information. Alors, il faut voir comment on structure, comment on organise les équipes. On peut avoir la RTNC, pas seulement d'ailleurs, parce que le projet concerne tout le monde et tous les médias. On doit s'organiser, c'est un travail qui se fait, pour voir comment on organisera les médias en poule. Pour vous dire, par exemple, M. Sekana, agence Galaxy Média, nous voulons que vous ayez à Kailo pour aller voir ce qui se passe là-bas. 3-4 journalistes, vous y allez plusieurs jours, parce que le principe pour nous, nous voulons, et c'est cela la preuve de l'appropriation dont vous avez parlé au début, que ces projets, que ce soit les Congolais qui communiquent autour de ce projet, qui vous disent, écoutez, il y a un reportage qui passera peut-être plus tard, une maman à Nitouri qui dit, ça, je n'ai jamais vu. Depuis autant d'années que je suis là, elle s'est satisfaite de voir qu'il y aura une école moderne. Et donc, considérez que pour ce projet, autant on s'est organisé pour mettre à disposition des fonds pour la construction, autant le gouvernement s'organise pour mettre à disposition, en tout cas, les budgets de la communication qui se fera. Mais parallèlement à cela, il y a un outil sur lequel le gouvernement travaille qui sera mis à la disposition de médias à travers le site Internet qui vous permettra de cliquer les noms d'un territoire, de cliquer les noms d'une école, d'un hôpital pour vous rendre compte du niveau de l'évolution de travaux. C'est une solution que nous avons déjà expérimentée au gouvernement qui sera mise à la disposition des médias des moments venus pour ne fût-ce que faire un suivi d'où vous êtes à Kinshasa. Et les moments venus, nous voulons nous organiser avec tous les médias qui nous accompagnent pour que vous puissiez aller à l'intérieur du pays, aller voir de vous-même, donner la parole aux Congolais et de témoigner de l'effectivité de ces projets. Collègues, allez-y. Et on se fera compléter par les agences. Merci pour la question. Je pense que la première question, mon collègue de la communication a répondu. En fait, si nous avons tardé à communiquer sur ce programme, parce qu'à un certain moment, les réunions se sont éternisées. Alors, beaucoup nous demandaient, mais est-ce que c'est de la propagande ou c'est réellement, on aura du concret? Alors, maintenant que les travaux ont démarré un peu partout,
Nous sommes en train de travailler en collaboration avec mon collègue de la communication et le ministre des Finances pour établir un plan de communication tout au long de ce programme. Alors, c'est un plan de communication qui va s'étaler sur 2 ans pour suivre le progrès du programme. Et il y a un briefing, je pense, qui sera fait mensuellement. Donc voilà. Concernant le PNUD, comme vous le savez, le ministère du Plan dirige le comité national, donc le CONA. Et à ce titre, le ministère est l'interface entre le gouvernement et les agences d'exécution de ce projet. Donc nous faisons de la coordination et de la gestion quotidienne du programme. Et je pense que nous avons reçu suffisamment d'assurance sur le processus de passation du marché. Si aujourd'hui 3 ou 4 provinces n'ont pas encore été couvertes par des entreprises, c'est parce qu'il y a des marchés que nous avons déclarés infructueux. Bon, ça, peut-être le PNUD ne l'a pas dit. Et dans certaines provinces, notamment le Bas-Zoélé, il n'y a pas eu d'entreprises qui ont soumissionné. Alors, nous avons donné un certain nombre de critériums et des délais, et nous avons insisté sur le respect des échéanciers. Donc, nous pensons que le PNUD va respecter ce qu'ils ont eux-mêmes dit tout à l'heure, que d'ici la fin du mois, ils vont boucler le processus de passation du marché. Mais je vais lui donner la parole, comme ça il peut renchérir ce que je viens de vous le dire. Allez-y, M. Diallo. Merci beaucoup, Excellence. Je pense que, comme vous l'avez si bien dit, j'ai dit tout à l'heure durant ma présentation, nous avons 764 infrastructures. 314, la livraison va s'effectuer une partie mi-mai, une autre partie mi-août. Maintenant, les 450 qui restent, c'est là où Excellence parlait tout à l'heure de lancement, nous l'avons fait. Et notre stratégie pour rattraper le temps perdu est très simple. Comme je vous ai dit, les ateliers de formation que nous sommes en train de faire dans les provinces, c'est pour éviter justement qu'il n'y ait pas des provinces où nous n'avons pas de prestataires. Et ça s'est arrivé sur plusieurs endroits, notamment même dans certains territoires de Tchouapa. À Mongala, nous avons eu 2 territoires, mais il y a Bongandanga qui reste, qui n'a pas été servi. Donc c'est tout ça qu'on est en train de faire pour essayer un peu de rattraper le temps perdu. Maintenant, le délai normal de mobilisation d'une entreprise, c'est 2 semaines. Quand vous signez le contrat, vous lui donnez un délai pour pouvoir mobiliser tout ce qui est paperasse, garantie bancaire, etc. Nous avons choisi des entreprises qui, elles-mêmes, dès qu'on a signé le contrat le 25 février, 2 jours après, elles se sont déployées sur le terrain. Donc ça, c'était une façon pour nous de réduire un peu les délais. Il y a beaucoup d'autres stratégies que je ne vais pas rentrer ici dans les détails, pour essayer de s'assurer que ces entreprises sont outillées à commencer le travail et pour ne pas retarder le processus. Donc je pense que ça, c'est des aspects sur lesquels nous sommes en train de faire. Et pour vous rassurer aussi, le PNUD s'engage, parce que c'est une question aussi de réputation, s'engage à respecter les échéances avec lesquelles nous sommes fixés avec le gouvernement. Et le ministère du Plan, il n'y a pas un jour qui passe sans pour autant qu'on reçoit effectivement. Donc le gouvernement suit ça de très près, mais aussi il y a des impératifs, il y a des impondérables que vous pouvez constater qui font que souvent on ne peut pas avoir tout ce qu'on espérait. Mais je pense que maintenant c'est bon, tout à l'ensemble. Merci. Voilà, merci. On va prendre le commentaire d'une ou deux minutes de agences et puis nous allons prendre la question de Madame Gino Reema. Monsieur Jean Mabialesi. Merci. Concernant les ALE, pour ceux qui ne le savent pas, PRIS, c'est le projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures sanitaires qui a été exécuté par BESECO de 2013 à 2016. Mais contrairement au PDL 145 territoires, lorsque PRIS a été lancé, le budget n'était pas bloqué, plutôt bouclé. Donc ce qui fait que la plupart des chantiers sont restés inachevés. Et certains prestataires aussi sont restés impayés. Avec le PDL 145 territoires, l'une des conditions aussi est qu'on lance une activité quand le financement est bouclé.
Nous avons introduit des innovations, je crois que c'est important de les citer. Différence entre complexe scolaire PRIS et complexe scolaire PEDEL 145 territoires. D'abord, PRIS, ce sont des écoles qui représentent à peu près 420 mètres carrés. PEDEL, ce sont des infrastructures qui représentent 640 mètres carrés. Alors, au niveau du PEDEL, on a tenu compte de la dimension genre, dimension jeunesse et dimension aussi personnes vivant avec handicap. Genre, j'ai eu à le démontrer, vous avez vu, on a parlé des mamans malheureuses, mais aussi on a parlé des dames qui sont sur chantier. Ce sont la plupart des jeunes, hommes et femmes, qui travaillent sur les chantiers. Quand on prend les écoles, à l'entrée de toute salle de classe, il y a une rampe pour permettre justement aux élèves vivant avec handicap d'accéder à ces écoles, que ce soit dans les bâtiments administratifs, que ce soit dans les sanitaires. Et aussi, notre nouveauté aussi, les sanitaires, nous avons deux blocs. Chaque bloc avec quatre latrines pour filles, quatre latrines, sanitaires plutôt pour garçons. Donc, on a séparé les filles et les garçons au niveau du sanitaire. Nous avons aussi construit des bâtiments, ce qu'on appelle salle polyvalente, à peu près 140 mètres carrés. Mais quand les écoles sont fermées, dans nos villages aujourd'hui, quand il y a une fête de famille ou une manifestation, c'est en plein air. Dès que madame la pluie tombe, l'activité est reportée. Vous imaginez les gens qui font 100 km pour venir assister à la fête, le jour de la fête est reportée. Maintenant, aujourd'hui, ils ont l'occasion de louer la salle. Non seulement ils pourront programmer leur cérémonie en toute sérénité, mais aussi, cette salle va générer aussi des ressources pour l'école et pour assurer le fonctionnement de l'école. Donc, le risque zéro n'existe pas. Le plus important, c'est d'abord d'identifier les risques et de prendre des mesures pour les atténuer. Pour les ALE, nous avons d'abord aussi organisé des ateliers de renforcement des capacités. D'abord, au moment avant la soumission, nous avons organisé deux jours d'ateliers pour leur expliquer comment présenter une meilleure offre. Quand les ALE ont gagné, ceux qui ont gagné, ils ont aussi participé à un atelier de formation pour leur montrer comment solliciter les avances et comment les justifier. Alors, les ALE, la particularité avec les entreprises, chaque ALE doit ouvrir un compte dédié à sa convention. Et ces comptes, nous les gérons ensemble. Ce n'est pas que nous avons la signature, mais c'est l'ALE qui décaisse, mais à chaque demande de fonds, l'ALE doit nous envoyer les extraits des comptes, toutes les factures, et nous comparons par rapport au niveau d'exécution des travaux. Et sur chaque site, nous avons un ingénieur à pied d'œuvre qui est là tous les jours, qui vérifie l'exécution des travaux et qui nous envoie aussi les images pour nous rassurer que les travaux sont exécutés conformément à la convention. Merci. Voilà, Monsieur Alain Lungu, un complément? Non, excellent. Je pense que le DG a tout dit, sauf que ce qui est important à préciser, c'est que nous ne paierons pas des travaux déclarés. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Nous ne payons que les travaux qui sont exécutés et certifiés par nos missions de contrôle. Et nous avons aussi d'autres canaux pour avoir l'information sur ces différents chantiers. Donc, toute infrastructure qui ne sera pas construite ne sera pas payée et l'argent sera restitué au gouvernement. Voilà. On va prendre la question des Junota. Bon, avant, je voudrais juste rappeler un principe qui nous guide dans ces projets de 145 territoires, c'est qu'on ne commence pas un projet quand le financement n'est pas totalement bouclé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de voir qu'une école a commencé à être construite, que cette école ne s'achève pas. Sachez que lorsqu'on commence la fondation d'une école, elle sera achevée parce que tous les financements complets sont déjà à disposition. Madame, allez-y pour votre question. Ok, merci beaucoup. Monsieur le ministre du Plan, plusieurs organisations de la société civile, notamment le Centre de recherche en finances publiques et développement local, selon cette organisation, en fait, plusieurs organisations de la société civile, la loi de passation, la loi sur les passations de marché public, dans ses annexes, a installé les cellules de gestion et de projet des marchés publics. Là-dedans, il n'y a ni le PNUD, ni les BCECO. Et on se demande comment le gouvernement va travailler avec ces structures alors que ni
l'IGF ni la Cour des comptes n'aura le pouvoir de pouvoir les contrôler. Et puis l'autre question, craignant que les constructions à réaliser dans les cadres de ce programme ne soient pas axées sur les résultats, ce que je veux savoir, c'est comment le gouvernement entend évaluer les effets et impacts des réalisations de ce projet PEDEL dans le vécu quotidien de contribuables congolais, afin de s'assurer que cette dépense publique est de qualité, et quelle est la démarche mise en place pour mesurer les effets et impacts. Merci. Monsieur le ministre, allez-y. Merci pour les questions. Bon, je pense qu'on devrait mettre le PDL dans un contexte d'urgence avec des procédures ad hoc. Le BCECO, je ne pense pas qu'il ne soit pas qualifié pour recevoir le mission de contrôle. Au moment où je vous parle, je sais qu'ils ont déjà reçu l'IGF notamment. Pour les PNUD, c'est un peu particulier et j'ai expliqué les raisons qui ont conduit à ce que le PNUD soit recruté parmi les agences d'exécution. Ce programme est financé par le gouvernement congolais avec l'appui de partenaires techniques et financiers. Donc il y a une partie de fonds que nous recevons du FMI avec ce qu'on appelle les DTS. Et il y a des exigences. Le PNUD, je crois que c'est une agence des Nations Unies, très transparente, et pour des raisons de crédibilité, nous avons aussi voulu justement qu'il en fasse partie. Pour les annexes dont vous parlez, je n'ai pas beaucoup de détails là-dessus. Peut-être que Besseco pourrait expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit concernant les annexes. Mais les ONG disent toujours ce qu'ils disent, hein, mais nous ne pouvons pas, je n'ai pas eu connaissance de ces rapports-là, donc je ne peux pas commenter sur un document que je n'ai pas consulté. Donc, voilà. Allez-y, M. Mabien, commentaire. Voilà, merci beaucoup pour votre question. Je pense que ça permet de clarifier un certain nombre de malentendus et aussi des déficits d'information. La loi relative au marché public organise le marché public en RDC, définit aussi les organes en charge de la mise en œuvre de cette loi. Nous avons l'autorité de régulation du marché public, comme le mot l'a dit, c'est la régulation, qui a pour rôle de veiller à ce que les systèmes du marché public fonctionnent convenablement, s'assure que tous les textes de loi nécessaires pour appliquer le code du marché public sont promulgués et que toutes les institutions habilitées à exécuter les marchés publics sont en place. Notamment dans les ministères, nous avons les cellules de gestion des marchés publics, nous avons la Direction générale du contrôle des marchés publics qui a pour rôle justement de passer la revue, de procéder à la revue a priori selon les seuils des marchés. Ma province, nous avons aussi les cellules provinciales de gestion des marchés publics qui ont pour charge d'exécuter les marchés, mais nous avons aussi les cellules provinciales de contrôle des marchés publics. Je vous renvoie au décret qui vient d'être publié le 7 mars par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, modifiant et complétant le tout premier décret qui a été publié en 2010, c'est le décret portant manuel de procédure du marché public. Sous ce décret, à son article 2, relatif au champ d'application du code du marché public, il est énuméré un certain nombre d'acteurs. Parmi ces acteurs, vous allez trouver les services publics mandatés par l'État. BCECO, c'est un service public mandaté par l'État et qui a pour rôle d'assurer la gestion judiciaire du projet. La gestion judiciaire du projet, c'est quoi? C'est la gestion des marchés publics et la gestion financière. Quand il s'agit de projets financés par le gouvernement congolais, la loi qui s'applique, c'est la loi relative aux marchés publics, ainsi que le manuel portant manuel de procédure. Manuel de procédure. Quand il s'agit de financements extérieurs, ces projets sont financés conformément au manuel de procédure imposé par les bailleurs. Donc, la question de dire pourquoi BCECO, pourquoi les PNUD, pourquoi ceci, c'est une fausse question. Nous avons aujourd'hui la cellule des infrastructures. C'est une agence d'exécution. COREF, c'est une agence d'exécution.
PDSS, santé, c'est une agence d'exécution. À la santé, il y a une cellule, de passation des marchés. Mais parallèlement à ça, on a PDSS. Aux ITPR, nous avons la cellule de passation des marchés, la cellule de gestion des marchés publics. Mais à côté, vous avez la cellule des infrastructures. Il faut qu'on les reconnaisse. Aujourd'hui, nos pays ont signé la déclaration de Paris qui veut que les projets soient exécutés par les administrations. Depuis la reprise de la coopération en 2001, je sais de quoi je parle, madame. Depuis la reprise de la coopération en 2001, est-ce qu'il y a eu de progrès dans la mise en place du système, que ce soit le système de gestion des finances publiques, que ce soit le système de passation des marchés. Le code de marché public a été publié en 2010. Je suis parmi les auteurs de ce code. Je l'ai financé. Il était question que 2 ans après qu'on fasse la revue du système. Et cette revue a été faite. Encourager plutôt l'État à aller dans la voie qui lui permet d'améliorer tous ces systèmes. Pourquoi aujourd'hui, quand un bailleur vient dans d'autres pays, ce sont les administrations. Quand vous allez au Sénégal, un projet géré par un directeur. Un directeur nommé par le gouvernement. Avec un compte, il a la signature. Pourquoi chez nous, quand on met en place un projet, on met une unité d'exécution du projet? Il faut qu'on se pose des questions. Ça fait 20 ans, qu'est-ce qu'on a fait pour renforcer les capacités des administrations? Pour qu'enfin, qu'on remette le projet. Aujourd'hui, l'idée aussi, c'est d'avoir une agence de développement. Parce que nous avons plusieurs financements qui arrivent, qui sont multisectoriels. Vous pouvez avoir un projet qui vient, qui finance la santé, l'éducation, l'environnement. Quel est le ministre qui aura l'élite sur ce projet? Ça sera la bagarre. C'est pour ça qu'il faut avoir des agences outillées pour gérer ce genre de projets. Je préfère m'arrêter. Voilà. Merci. Monsieur Alain, vous avez un complément? Oui, Excellence. C'est juste pour répondre à la question sur la qualité de la dépense que Madame a posée. Nous voulons juste vous informer que nous sommes en train de travailler avec le ministère du Plan. J'ai vu une invitation, je pense, hier ou avant-hier, pour faire une passerelle. Hein, entre les dépenses que nous sommes en train d'exécuter et les objectifs du développement durable. Je pense que dans les prochains jours, il y aura une communication à cet effet, mais dans l'entretemps, chacune des agences est en train de collecter les informations. L'objectif, bien sûr, c'est de donner un visage humain aux dépenses que nous sommes en train d'exécuter. Voilà, on va prendre les dernières questions, on les prendra en série pour être sûr que nous les avons toutes prises. Comprenez que c'est un sujet important. Nous reviendrons mensuellement et on va s'assurer que ceux qui n'ont pas posé de questions cette fois la posent lorsque nous reviendrons. Et en ce moment-là, j'ai demandé aux agences de nous produire des statistiques, notamment en termes des Congolais ou des Congolaises qui sont employés sur vos différents chantiers, parce que ces projets, c'est aussi gigantesque, mais il faut qu'on soit en mesure de donner des unités qui évaluent ces gigantismes, si je peux me permettre l'expression. On va commencer par Alex Kataï, Paul Matendo, Monsieur Mutombo ici, et on terminera, Stéphie, et on terminera par la question de Fabrice Olingala. S'il vous plaît, une question, et je vais demander aux différents intervenants d'enregistrer, parce que ces questions, on ne répondra pas du tic au tac. Allez-y, Monsieur Kataï, s'il vous plaît. J'en ai qu'une seule, d'ailleurs. Elle est adressée au ministre Aïe du Plan. Monsieur le ministre, les agences ont montré ici qu'il y avait des problèmes d'ordre logistique en termes d'acheminement de matériaux, de construction sur des différents chantiers, c'est-à-dire que les routes ne sont pas en bon état. Pourquoi on n'a pas inversé l'exécution des travaux, commencer par les routes, les rendre praticables et passer à la construction des bâtiments? On a commencé par les bâtiments et on passera aux routes, on pensera plutôt aux routes dans la deuxième phase. Pourquoi on n'a pas inversé cela? Merci. Merci. Paul Matendo, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. En fait, c'est la question que j'allais poser. Tant mieux, si votre question a été posée. Alors, juste un peu pour le compléter, je reviens du Diofa, je reviens de Popokabaka dans le Kulu et dans le Kwango. La réalité sur le terrain, c'est que nous avons trouvé des bâtiments qui étaient des écoles existantes en rameaux, en bambou, mais à côté de cela, poussent des bâtiments en matériaux durables sous la gestion de la CFF. Et j'en profite pour dire chapeau bas à la CFF. Alors, voilà. Pour compléter, Cathy, le route étant une urgence,
quand est-ce que pourra commencer le deuxième pilier route? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. C'est toujours malheureux de prendre la parole en dernier. Il y a d'autres questions qui ont été déjà énumérées par les confrères, mais j'aimerais ici souligner quelque chose. C'est une question adressée au ministre A.I. Duplan. Il y a, en janvier dernier, une organisation congolaise, CREFEDEL, a, dans une enquête établie, qu'il y a un dépassement de 200 à 300% des cas d'un bâtiment scolaire, des 6 salles de classe, à Arou, par exemple, qui coûte à 500 millions de dollars américains. 500 000 dollars, je m'excuse. Oui. Et au ministre de la Communication, une dernière question. Monsieur le ministre, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place? Nous avons accompagné beaucoup de projets à travers la République démocratique du Congo. Nous avons constaté que le débit a toujours été un débit magnifique avec de fortes communications. Mais dans la suite, on voit peut-être une lanterne. Après, nous arrivons au chantier non achevé, projet non achevé. Quels sont les mécanismes que le gouvernement de la République a mis en place pour que nous puissions vraiment atterrir en douceur avec ces projets PEDEL 145 territoires? Merci beaucoup. Merci. Monsieur le porte-parole du gouvernement, PEDEL 145 territoires, un projet ambitieux, oui, mais il y a encore des gens qui doutent de la sincérité de ces projets. Et alors, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'au-delà, ben, que ce soit un projet qui tient au développement de tous les territoires congolais, il y a une sorte de quête, de discours à présenter à la présidentielle de 2023 pour espérer finalement avoir un second mandat? Merci. Fabrice, vous pourrez attendre comme ça. Okay. On est sûr qu'on ait plus des questions en français, on répondra spécifiquement à la question en lingala. Monsieur Stéphine, je ne pense pas que nous sommes en quête, nous, des discours, parce que le moment venu, je le dirai peut-être en des termes plus... j'allais dire, mais ce n'est pas encore le moment, mais si vous regardez le président de la République et les gouvernements depuis que nous sommes là, la plupart des critiques que nous voyons, c'est des critiques qui ne portent pas sur nos choix. Vous ne vous rendez pas compte que nous sommes passés des bétons en fondation, parce qu'aujourd'hui, sur tous les secteurs de la vie nationale, c'est du renouveau. Je commence par l'éducation. En 2019, lorsqu'on a parlé de la gratuité, tout le monde contestait, il y avait des voix qui s'opposaient. Mais aujourd'hui, dites-moi si la gratuité fonctionne ou ne fonctionne pas. Les défis pour nous aujourd'hui, ce n'est plus simplement la consolidation de ce programme, les défis c'est aussi l'accessibilité. C'est pour ça que la principale composante de ces programmes, c'est la construction des écoles. Parce qu'il faut améliorer à la fois la qualité de l'enseignement, l'accessibilité. Et donc, il y a d'autres programmes qui sont en cours au niveau du ministère de l'EPST. Mon collègue pourra en parler mieux que moi. Pour vous donner l'exemple du secteur de la défense, dans cette salle, pour la première fois, on vous a présenté la politique des défenses. Pour la première fois, on a une loi de programmation militaire. On a fini tout ce qui concerne la législation pour la mise en place de la couverture santé universelle. Je ne vous parle pas d'autres projets qui sont développés dans le cadre du PNSD. Et donc ici, il faut considérer que nous, dans ce que nous faisons, il n'y a pas de regard politicien derrière. Parce que nous venons régler des problèmes qui n'ont pas été réglés pendant des décennies. Et aujourd'hui, nous vivons tous les conséquences. Lorsqu'il pleut à Kinshasa, c'est sur nous que la responsabilité tombe. Nous l'assumons du fait de la continuité de l'État. Mais il faut considérer, si vous devez nous juger de manière objective depuis qu'on a commencé, nous apportons des solutions. C'est vrai qu'il y a un océan des problèmes, mais il faut faire un petit effort pour voir que même si on est dans les négatifs, on était à moins 1000, mais aujourd'hui on est peut-être à moins 100 et bientôt on sera à zéro et on repartira sur la dynamique positive. Ici, on aurait pu faire un choix différent. Mais si on a fait ce choix d'aller dans tous les territoires, c'est parce que justement, il faut compenser les inégalités. On en a beaucoup parlé ici. Et donc, il n'y a aucune visée ou manque de discours particuliers parce que nous avons un contenu que nous allons présenter les moments venus pendant la campagne. On va vous démontrer, le Congo a commencé un nouveau chapitre avec le président Tshisekedi. Je vais profiter pour répondre à la question de
de notre ami Mutombo sur les stratégies mises en place. D'abord, je dois vous rappeler que ce projet, c'est un projet inédit qui a été salué d'ailleurs. Vous avez entendu tout à l'heure les propos de M. Diallo qui représente le PNUD par leur directrice régionale en termes d'innovation. Partant justement de l'expérience que nous avons par les passés, où il y a des éléphants blancs, où il y a des procès, où il y a des soupçons, on a pris des précautions, notamment le fait de recourir aux agences. M. Diallo a parlé tout à l'heure de crédibilité. Parce qu'ici, vous n'allez pas dire que, bon voilà, le PNUD a osé faire ceci, a osé faire cela. Déjà, de ce point de vue, en termes de recrutement, vous avez vu qu'il y a des précautions qui ont été prises. Deuxièmement, même les recrutements qui ont été faits ne nous a pas empêchés de souscrire au processus de marché public, qui est un processus long. Vous avez suivi les agences s'en plaindre, nous-mêmes nous nous en plaignons par rapport à la nature de nos problèmes, on doit aller plus vite. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a aucun projet qui va commencer qui n'a pas déjà un financement totalement bouclé. C'est pour vous donner une indication qu'en réalité, le projet que vous voyez, c'est vraiment la preuve du changement de narratif, comme on aime à le dire. Maintenant, c'est le temps qui nous dira, parce que tout ce que nous disons est bien beau, mais lorsque vous allez voir des bâtiments, parce que nous, on n'a pas voulu faire beaucoup de communication avant pour ne pas tomber dans les travers du passé. Mais aujourd'hui, vous avez vu les images. Demain, comme vous êtes spécialiste sur les émissions d'infrastructures, vous pouvez aller dans les pays et voir. Kimoname, je ne sais pas comment on dit ça en Kikongo, mais il y a... Kimonameso. Allez-y, vous allez voir que c'est un projet qui est à tout point révolutionnaire. Je veux passer la parole à mon collègue qui se fera compléter par les différentes agences pour répondre aux questions qui ont été posées. Merci beaucoup, Excellence. Je réponds à la question de savoir pourquoi n'avoir pas commencé par les routes. Pour ceux qui ont les documents du PDL dans son entièreté, initialement, nous avons justement, lors de l'élaboration de ce projet, voulu commencer par les routes. Donc, dans les textes en soi, les premiers volets concernent les routes des déserts agricoles. Mais, vous savez, on a été buté devant un problème de mobilisation des ressources et les premières ressources que nous avons reçues, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les DTS qui viennent des allocations DTS. Bon, nous sommes en programme avec les FMI. Et là-dedans, il y a un principe de la non-fongibilité des ressources. Donc, on ne peut pas transférer ces ressources-là vers d'autres volets parce que le FMI a souhaité, justement, de s'appuyer sur des ouvrages qu'on peut facilement évaluer. Parce que les routes, on peut les entretenir aujourd'hui, on peut les réhabiliter, mais s'il n'y a pas un programme d'entretien permanent, comme vous le savez, nous sommes dans une zone de la pluviométrie, il pleut tout le temps, alors nos partenaires n'ont pas souhaité nous appuyer pour les routes. Mais tout est question de temps aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, le gouvernement a déjà disponibilisé, mis à la disposition des agences, 12 millions de dollars, justement, pour la réalisation des études de faisabilité. Et comme les agences l'ont très bien démontré ici, les études sont en train d'être bouclées et nous osons croire que dans les prochaines semaines, ils vont passer les procédures de passation de marché pour faire le recrutement des entreprises qui vont réaliser l'entretien et la réhabilitation des routes des déserts agricoles. Donc on est conscient, mais on ne voulait pas attendre la mobilisation des ressources. Nous avons voulu commencer parce qu'il fallait commencer. Donc voilà, la question qui concerne Arou, comme c'est sous la juridiction de BCECO, j'aimerais passer la parole au DG pour répondre à cette question-là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas connaissance non plus de ces rapports de l'ONG dont vous faites allusion. Merci. Voilà, monsieur le directeur général, et puis ce sera monsieur le coordonnateur de CFF. Merci beaucoup pour la parole. J'ai effectivement lu cet article, qui malheureusement n'a pas été signé, mais ce que je voudrais faire observer, que
vous êtes les journalistes, vous savez que quand vous écrivez, vous voulez publier un article, avant de le publier, vous le faites d'abord lire et valider par les personnes qui sont citées pour confirmer vos déclarations. Parce que si, excusez-moi, si, parce que les risques que vous... Non, je vais répondre, excusez-moi, je peux terminer. Si vous dites une fausseté, on peut vous poursuivre en justice. C'est ça, justement. Cette étude, je l'ai vue, malheureusement. Si l'auteur avait partagé avec le BCECO, il aurait corrigé plusieurs déficits d'informations qu'il y a dans cet article. D'abord, quand vous voyez l'effet qui est fait, quand on vous annonce 6 salles de classe, 500 000 dollars, vous voyez ce que ça fait. C'est pour quelle intention? Alors que les complexes scolaires aujourd'hui ne comprend pas que 6 salles de classe. Nous avons 2 blocs avec 3 salles de classe. 640 mètres carrés, vous aviez dit tout à l'heure. 640 mètres carrés, 2 blocs avec 3 salles de classe. Nous avons les sanitaires avec 4 portes pour filles, 4 portes pour garçons. Les bâtiments polyvalents, de 140 mètres carrés. Les bâtiments administratifs, qui est de 120 mètres carrés. On l'a comparé avec un autre projet PRIS que BCECO a exécuté, mais ce projet est presque 200 mètres carrés de moins. Et aussi, ce qui compte, les matériaux. Quels sont les matériaux qui sont utilisés dans le cadre des PDL 145 territoires? Quand on prend les tôles, au niveau de PRIS, ce sont des BG 28 ordinaires. Au niveau de PDL, ce sont des bacs de 7,5 kg. Et la finition, les portes sont métalliques, les fenêtres sont métalliques. De l'autre côté, les portes sont en bois. Donc, c'est un débat inutile. C'est un débat inutile. Au BCECO, nous avons fait la moyenne. Quand on regarde, d'abord, on est parti d'une projection prise, exécutée en 2013. Les devis confidentiels étaient de 157 000 dollars. Mais quand on a attribué les marchés, la moyenne, c'était 204 000 dollars. Donc, c'est déjà une fausse comparaison. PDL 145 territoires, les devis confidentiels avec le nouveau plan, 100 salles polyvalentes de 140 mètres carrés, nous sommes à 293 000 dollars. Quand on voit tous les marchés, c'est publié sous site. Combien de salles de classe? 6 salles de classe. 6 salles de classe. Mais c'est 293 000 dollars en moyenne. Tout à fait. En moyenne. Et nous, en moyenne, quand on regarde la moyenne des marchés, c'est entre 280 000 et 320 000, plus salles polyvalentes. Mais parfois, ce n'est pas parce qu'on est économiste qu'on est spécialiste en passation des marchés. Il y a des règles qu'on respecte. Quand vous mettez les entreprises en concurrence, vous ne pouvez pas négocier. Vous ne pouvez pas négocier. Quand vous lancez l'appel d'offres, les entreprises s'engagent, ils amènent des garanties bancaires sur lesquelles elles paient des taux d'intérêt. Vous sélectionnez, il y a des critères. Nous avons d'abord les critères administratifs. Si vous ne les remplissez pas, quel que soit votre prix, on vous élimine. Vous remplissez les critères administratifs, vous avez les critères financiers. Si vous ne les remplissez pas, on vous élimine. Ce n'est qu'après qu'on regarde le critère, l'offre financière. Vous pouvez avoir, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de moins de 10 ans. Dans le marché privé, on ne parle pas de moins de 10 ans, on parle de la meilleure offre. C'est lui qui respecte et les critères administratifs et les critères financiers et qui fait une offre intéressante. Et on regarde la moyenne. Je défie tout le monde. Nous avons nos dossiers. Celui qui veut venir, il vient, on va lui montrer toutes les évaluations qui ont été faites. Et tous ces marchés sont passés à revue a priori. À la DGSMP. Vous n'avez pas dit que la DGSMP comprise le BCECO. À l'ARMP. Et aujourd'hui, qu'est-ce que prévoit la loi? Si quelqu'un se sent lésé dans le cadre d'un marché public, la personne est libre de saisir l'ARMP. L'ARMP va instruire, va demander les dossiers, va passer en revue offre par offre. À quoi ça sert? Vous parlez de votre pays, vous mettez ça dans les réseaux, vous envoyez dans les missions diplomatiques, vous envoyez dans les bailleurs, mais quel est le mobile? Je pense qu'aujourd'hui, chers amis, nous devons changer notre façon d'agir. Parlons positivement de notre pays et de nos autorités, comme le font les autres journalistes dans le monde entier. Merci beaucoup. De toute façon, je crois, sur les sujets, c'est pour ça qu'il faut qu'on communique de manière régulière, et c'est pour ça que vos services doivent être aussi disponibles pour que les journalistes, lorsqu'ils ont des questions, qu'ils viennent les poser. Parce que nous avons aussi remarqué qu'il y a
des rapports qui sont faits avec fort tapage médiatique, mais qui se fondent sur les vides, simplement parce qu'il y a un désir de surenchère derrière. Monsieur Alain Lungungo, s'il vous plaît. Non, Excellence, vous avez posé une question importante sur les retombées un peu du programme dans la province. Moi, je ne vais pas aller dans cette direction. Alors, moi, nous sommes sur 635 infrastructures au niveau de la CFF. Hein, et si vous prenez une moyenne, un petit calcul, hein, une moyenne de 20 ouvriers par un minimum de 20 ouvriers par chantier, vous tombez rapidement sur à peu près 13 700. 13 700 ménages qui bénéficient des retombées financières du projet. Et c'est une injection de ressources qui va être dépensée dans les différents territoires. Donc vous voyez un peu l'impact que ça devrait avoir. Il y a des services qui se développent à côté. Il y a le DG du BCECO qui a parlé à un moment donné des Malewa, hein, des Malewa, et ça se développe. Il y a le commerce qui se développe. Vous comprenez que c'est une injection qui enrichit les populations riveraines. Et là, comme on vient de le dire, Excellence, lorsque l'on va finaliser le travail avec l'Observatoire des ODD, l'Observatoire des Objectifs de Développement Durable, on va capter toute cette masse d'informations pour donner des informations très claires sur l'impact sur le développement humain du PDL 145. Voilà, un petit complément de M. Diallo et puis on prendra la dernière question en Lingala pour terminer. Merci beaucoup. Je pense que tout à l'heure, la question, je ne peux pas revenir sur ce que mon collègue disait tout à l'heure par rapport au choix du PNUD. On sait que c'est une décision souveraine de l'État congolais. Mais je voulais juste rappeler que nous avons quand même un accord de base qu'on a signé dans les années 70 avec ce pays où nous pouvons, en tout cas en tant que PNUD, apporter des ressources pour la mise en œuvre des programmes ou bien que le gouvernement peut mettre à notre disposition aussi des ressources compte tenu de l'avantage comparatif pour mettre en œuvre aussi des programmes. Donc ça, je pense que c'était important aussi de le rappeler et c'est sur cette base que le PNUD a été choisi. Pour les résultats et les impacts, je pense que mon collègue CFF l'a dit, nous travaillons plus pour faire du PDL un accélérateur des ODD. Parce que la RDC va présenter son rapport sur l'avancée cette année, au mois de juin. Donc c'est très important pour nous l'impact et les effets de les mesurer. Et c'est là où on est en train de travailler avec le ministère du Plan, avec aussi l'Observatoire congolais des ODD, pour essayer de capturer tout ça, regarder quel est l'impact et surtout le best value for money. Voilà, c'est-à-dire savoir quel est l'impact du dollar utilisé sur la vie des populations congolaises. Donc pour la question des coûts également, on parle toujours d'équité. Tout à l'heure, quelqu'un parlait ici de 10 millions, le ministre disait 10 millions par territoire. Si on veut construire la même école au Congo central, qu'on veut la construire à Kakakokombe, au Sankuru. Oui. Je vous donne un exemple. Un sac de ciment ici, ça peut coûter $10. Donc c'est clair que l'école, en quantité de ciment, ça peut être facile à... Mais si vous allez par exemple à Shabunda, au niveau de Sikibou, c'est 80, voire même jusqu'à $150. Donc si vous construisez la même école, c'est clair que les coûts ne seront pas les mêmes. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que ça aussi, c'est très important aussi de le souligner. Merci. Voilà, on va prendre la dernière question rapidement à Lingala. Poto Silissa, exercice d'Abiso Alelo. Excellence Patrick Muyaya. Mituna Ezali, na ministre, il y a plan. Kota la na carte, il y a projet à développement local, il y a 145 territoires. Tout un projet à électricité, tout monimaï, bapon, école. Et puis, hôpitaux. Toyoki, na ba explication, na bino nyonso bozo pe sakara hôpitaux, école, ne ba kotonga. Nzokande, na ba territoire nyonso wana, ezali molili, ezana batu msusu depuis abotamon 50 ans, tika la jamais komo na lumière oyo. Et gouvernement congolais a prévoir nini pour na projet mnene oyo. Na ministre, non, pardon, na mon amboka Alain,
aujourd'hui plus de 8 territoires. 8 provinces, pardon, 9, hein, j'espère. 7. Dans 7 provinces, Congo central, Tororo-Loba, elles ont un peu développé par rapport à l'Union Suétikali. Route nationale numéro 16, Kololobi à Kimvula, na Tambola, on a 4 jours, pas même un mois, Batuba Kangara Nanzela. Pourquoi le gouvernement va ko banda misala na Congo central, surtout na territoire à Kimvula, pour asphalter Nzela wana? Toke Nzela ya Congo, ya Bandundu, Mongata, national numéro 17, Tilelo, et là qui même rata qui n'a produit il y a 100 jours, il y a chef de l'État, pourquoi pas beaucoup de si en pour la réhabilitation? Avant, il y a quoi attaquer, les lots ont la difficulté, il y a même même pour transporter ma produit dans pour Bandamisala, Nama Indombe, courant et vanda na zamba na esobe, il y a, pardon, excellence, c'est très important, courant et vanda na zamba ya nini ya. Il y a Bukangalonzo, Maïndombe, ça voilà, il faut traverser. Nous sommes sur la Bendela, il faut traverser côté de Maïndombe, Biman, Équateur. Ils sont dans les Noirs. Motuya, il y a projet na Bino pour la Grand Bandundu, Grand Équateur, Ezalinine. Parce que école, oui, hôpitaux, oui, mais développement, c'est les courants, Nzela et Maï. Maï, Ezalakate. Voilà. Na Patrick, na, excellence Patrick Mouya, pardon, Motuna Moko. Vas-y, allez-y, allez-y. Nungu Ezali, que ma solo entre chef de l'État, ancien président de la République, Joseph Kabila, est-ce qu'il y a solo? Yo, zo et la biso politique, l'air tozo beta maramba au développement. Ah. Merci, Excellence, de s'improviser, parce que c'était important. Na province, il y a Tchouapa. Nungu, ezalaki makasi na baimbo ka buende pambate balingaki bayela bango bato ya kisasa baya kosala misala kuna na je suis pas sûr que monsieur Diallo comprend le lingala. Il y avait un petit problème concernant les ONG de la Tchouapa. Les habitants de la Buende, de Mokoto, les John étaient mécontents parce qu'on devrait leur imposer les ONG ou le PME de Kinshasa. Ça posait un grand problème. Est-ce que ce problème est résolu? Si oui, quelles sont les ONG retenues dans la Tchouapa? Merci. Non. Oui, allez. Le problème est que le problème est que mon lobby, le gouvernement, était aux assures, était projet au PL245, et vous avez la campagne à chef de l'État. Et puis, dans le territoire, il y a Tchouapa, par opéra, ça école Boni. Merci. Merci. On va commencer par M. Diallo, rapidement, pour la préoccupation sur le Tchouapa, et puis on va prendre pour terminer en Lingala, comme lui parle pas Lingala. Merci. Allez-y. Beaucoup. Je pense que pour répondre à la préoccupation de monsieur par rapport à la Tchouapa, je peux vous assurer que à la Tchouapa, ça fait partie des provinces où nous avions des difficultés à trouver des prestataires. Pour la simple raison, pour des questions de traçabilité, comme disait tout à l'heure mon collègue de Besseco, nous ne voulons pas que faire des évaluations en dehors d'un système qui est traçable. C'est-à-dire que si j'élimine une ONG, il faut que ça soit tracé le pourquoi et que l'ONG, on lui donne aussi la chance de pouvoir protester. Donc, amené à ça, au niveau de Tchouapa, on avait des problèmes de connexion Internet. Beaucoup d'ONG, beaucoup de PME locales n'ont pas pu, en tout cas, soumettre leur offre. Et c'est pourquoi maintenant, on est en train de corriger cela. On est en train d'aller sur le terrain avec des VSAT pour leur permettre de postuler. Pour votre information, au niveau de Tchouapa, nous avons pratiquement 60 à 70 à 70 infrastructures.
Nous avons donné à l'ONG Caritas que 6 infrastructures sur les 70. Pour la simple raison, Caritas était une ONG avec laquelle nous avions pu travailler ensemble dans un projet. Et comme il fallait aller vite et que le processus ne datait pas d'une année, on a reconduit le contrat pour leur donner Tswapa et Mongala, 6 infrastructures par province. Ça fait 12. Donc en réalité, le gros du lot n'a pas encore été attribué au niveau de Tswapa. C'est l'appel d'offres que je venais de vous dire qui va clôturer le 28 mars et dans lequel aujourd'hui, nos équipes sont arrivées ce matin à Bouindé. Et si vous allez à Wema, le territoire de Bouindé, à Wema qui est à 100 et quelques kilomètres, vous allez voir Caritas en train de travailler. Donc ces ONG, la seule chose que je suis en train de dire, on est passé par le gouverneur et toutes les et aux radios locales pour essayer de leur donner la possibilité de venir participer au séminaire et multiplier leurs chances. Mais encore une fois, on ne donne pas juste parce que c'est une ONG locale. Il y a des critères aussi, parce que nous sommes redevables sur la qualité et le délai aussi d'accomplissement de ces travaux. Donc ça, je pense que c'est pour répondre à votre question. On n'a pas pris une ONG, à part Caritas, qui a 6 infrastructures sur les 70 qui sont prévues là. Mais sinon, pour le reste, ça va être attribué. Merci. Alors, Ndeko Crispemba du Togoyano, la Nokino Kinalinga, la Pona Mituna, Obautiko Tunabisho. Merci, Ndeko journaliste Pona Mutuna. Nabanza, tant on a salaki introduction, il y a programme, il y a PDL 145 territoire, programme Oyo, chef de l'État Initiaki, Nalubaki Boye. Oyo, misala, ezo salama mikoloyo, misala, oye bandi mikoloyo, oye taliba école. Bah, centre de santé, dans le bâtiment administratif, ils ont étape il y a le bosso. Ce qui est aussi ici, étape où ils volent, où ils phase où ils tombent, toké na makambo où ils tali banzela. Ce qui est aussi ici banzela, toké na makambo où ils tali électricité. Et pour la information nayo, programme ils ont prévoir qu'on construire 418 mini centrales solaires. Dans 145 territoires et 471 kilomètres d'éclairage public dans le chef lié à territoire. Ce qui est aussi ici, Makambo Etali, il y a courant, toqué dans Makambo Etali Mali. Donc, bah, forage et puis qu'on aménage bah, source d'eau. Ce qui est aussi ici, Makambo à source d'eau, toqué dans Makambo Etali bah, Zando, dans Bamboka, donc les marchés publics. Ce qui est aussi ici, Makambo Bazando, Bawenzi. Voilà, je ne sais pas. Bawenzi. Toké na Makambo O et Tali agriculture. Donc, programme est fait au fur et à mesure, toujours qu'on avance. Toko ça, la misala nio sauté en même temps. Parce que le programme est là il y a 2 ans. Donc, voilà un peu. Et là, on a au Koloba, na Makambo et Tali courant, na Bambora, na Bisson. Donc, na Mikolo et Zoya, déjà, Baeti, déjà en préparation. Avec Anser notamment. Donc, Mikolo et Koya, gouvernement, a kotchaba ressources pour Misala et Banda, pour la Makambo et Tali, courant dans le territoire. Merci. Voilà, Togosi Lisa Awa, Nako Bakisama Moukenoa, le Bibo, Bakenaba école Union Sobazo Tonga, et Kozana Bapano solaire, et Kozala Pena forage. Ça veut dire que ma question est à énergie, et ça, ma question au Tokani, c'est qui déjà, qui a été prise en compte, na Oezo Salama. Kasi awa bobo sanate na lobaki ne bandeli ke 145 territoires eza yango moko projet a gouvernementé ba projet zali ebele boki ndeko abeti lisolo ya anser o eza agence nationale o eta la kaba service à électricité to lobela rango bemingi na conseil de ministre o ezo tala ndenge nini tokope sa courant na ba territoire pe na ba province ya biso parce que potentiel eza makasi kasi fo biso nde to mema mae de kosala ndenge nini to topé sabatou couranama et bisikanios. Je pense que Tozali aussi lit sa exercice na bisoawa. Tozala ki moi moulaï parce que Zaki exercice à Yambo, Kassinamiko les Ali Koya et Ozalama Moukousse pour nous permettre d'aller dans les détails, pour permettre une meilleure compréhension du projet. Je pense qu'aujourd'hui c'était un début. Je voudrais remercier les agences qui ont été associées à la préparation de cette grande activité. Je pense que nous communiquerons, nous allons vous transmettre les différents dossiers qui ont été préparés par les uns et les autres. Merci, Monsieur le Ministre, merci de vous être mis à disposition. Merci aussi à notre frère Diallo du PNUD qui a pu nous donner des informations qui concernent nos agences.
Merci à vous d'avoir suivi ces programmes et nous nous retrouverons dans les prochains jours pour d'autres nouvelles qui concernent les 145 territoires et j'espère qu'on a confirmé notre rendez-vous mensuel en termes de redevabilité. Merci et bonne suite de programme chez vous. Merci.